Bonjour. Enchanté. Moi c'est Loki. Oui. Vous voulez directement? Ok. Directement? Ok, oui, ça marche. Est-ce que je peux me présenter? Bah moi c'est Loki, tout simplement. Voilà, je viens pour l'emploi. J'ai vu la petite annonce dans le journal, là, la dépêche. Et je viens pour le poste. Le poste, oui, dans la morgue, oui, exactement, oui. Qu'est-ce que je sais de vous? Pas grand chose, j'ai vu l'annonce. Je suis à Pôle emploi depuis 10 mois et en vrai franchement j'avais juste envie de trouver un petit poste, quelque chose de sympathique. Enfin, ouais, j'ai foi en vous quoi. Voilà, j'ai vu le salaire surtout. Voilà, je vais pas vous mentir. Oui, non, c'est tout ce que j'ai vu. L'intérêt, bah du coup l'intérêt c'était le salaire, oui, bah c'est tout. Voilà, j'ai vu le salaire à 5 chiffres, j'ai pas trop compris, apparemment c'est un travail de nuit. J'ai pas tout capté, mais non, j'ai pas, voilà, c'est pas quelque chose de, voilà, c'est... Dis-moi, ça fait 10 mois que je suis à Pôle emploi. Ouais, mais en fait, c'est... dire que mon dernier travail, en fait, je devais embaumer des quelques corps. Et en fait, ils m'ont dit, va falloir aller se faire foutre. Parce qu'apparemment, bah, il paraît qu'on a pas le droit de voler tout ce qui est montre et tout ce qui ressemble à ce genre de truc. Donc en fait, tout simplement, je me suis retrouvé plus ou moins dans le pétain, en fait. Quoi. On m'a dit non, ça fonctionne pas comme ça. Et j'ai pas pu faire exactement ce que je voulais. Voilà. Le candidat idéal, c'est simple, je dors le matin et je dors pas la nuit. Voilà, je peux pas aller plus loin. Voilà. Ce trou dans le parcours, non, ça c'est parce que je faisais mon stage. Non, c'est juste un petit stage, ouais, voilà. Et du coup, ouais, mais je promets, je vole plus, j'ai su un traitement, tout ça, tout va bien, quoi. Voilà, parce qu'il y a pas de soucis, quoi. Quoi? La critique la plus constructive qu'on m'ait jamais faite de mon boulot? Bah que je gérais bien les morts, ouais. Ouais. Ouais, non, ça... Parce que je suis un leader. Et le... Enfin, le mec est mort. Je dois leader qui? Ah, j'ai une équipe de... Ah, ok. Ok, j'ai des gens qui vont venir me voir dans mon boulot. Ok. Non, je suis pas trop, du coup, un leader. Voilà, je... Travailler sous pression? Non. Moi et la bière, c'est pas trop le truc. Enfin, ça dépend un peu... Ah, la pression, non plus. Non, toujours pas. Voilà. Bah, c'est une qualité? Ah, enfin, c'est une qualité qu'il faudrait avoir? Ok. Non, je l'ai pas, malheureusement. Non, vraiment, je l'ai pas, malheureusement. Ouais, non, c'est con. Dans 5 ans, où est-ce que je me vois? Ah, plus là. Non, dans 5 ans, je me vois plus là. Là, c'est un travail alimentaire que je fais, j'ai une famille à nourrir. Mais non, c'est. Voilà. Voilà. Les prétentions salariales? Je pense que 5 000 par semaine devrait le faire, ça fait 5 x 4, ça fait 20 000. Tout bon en maths, ça change rien à la morgue. Pardon, excusez-moi. Mes disponibilités? Bah là, vers à peu près 23h38 à peu près, je suis disponible. Oui, ouais, à peu près, ouais. Est-ce que j'ai des questions? Ben... À vrai dire, j'en ai qu'une, c'est plutôt... quand est-ce qu'on commence, quoi? Voilà, allez, ça c'est la mort, j'ai un peu envie de crever, pas vous mentir, mais voilà, bon, on va lancer votre jeu de merde, là. voilà, j'avais prévu, l'intro est travaillée depuis 3 heures, en fait, là. Ah, vous voyez, depuis 21h30, je suis en train de travailler là-dessus, voilà, j'espère que ça valait le coup. Hein. Il y avait un faux CV, tout ça, il y avait un peu de travail, quoi. C'était pas du tout pour gagner du temps sur le jeu, évidemment. Tu aurais dû travailler un peu plus longtemps. On a cru que c'était l'intro. D'accord, ok. On comprenait que dalle. En fait, j'ai rien travaillé du tout. J'ai juste ouvert une page Google. Il y avait écrit question pour un entretien d'embauche. Et voilà. C'est pas grave. J'aurais tenté de vous faire croire ça. Ça aurait été bien que vous me disiez ah ouais, t'as travaillé et tout. Génial. Non, personne m'a dit ça. Tout le monde m'a dit que c'était de la merde. Ok. Super ambiance. Du coup, on va lancer Minecraft. Je sais pas si vous connaissez. C'est un petit jeu un peu en cube. Le but, c'est de survivre. Voilà, on a des monstres la nuit. Le tout c'est de survivre et à la fin aller taper un dragon géant qui se trouve dans un petit monde, voilà, on a accompagné notre meilleur allié, le Fanta, et voilà, on va tenter de pas crever 10 milliards de fois, quoi.
Voilà. En fait, un autre truc où je me suis rendu compte au moment où j'ai cliqué, en fait, tout simplement, c'est que je me suis dit, merde, j'ai pas fait de scène, donc on va espérer que celle-là, convienne au jeu, quoi. Voilà, sinon on est niqué. Voilà. Bon, après, il y a Miss Minute version horreur, hein, c'est la même scène que pour Alien, on va espérer que ça passe. On va le lancer, votre jeu de merde. Pétition pour ban Loki. D'accord. Après, les modos ne peuvent pas ban le streamer, mais c'est bien tenté. La petite mutinerie, là, mais on n'est pas dans Pirates des Caraïbes, quoi. Moi, je suis plutôt Barbe Noire, et vous êtes plutôt Jack Sparrow, quoi. Voilà, je me permets. Bon, alors, il va y avoir un truc où vous allez râler un petit peu. Il va falloir vraiment s'y habituer. Le jeu n'existe qu'en anglais. Voilà. Donc, le jeu est en anglais. Et mon level en anglais se situe à peu près entre le CP et le CE1, quoi. Donc, autant vous dire que on va se marrer un petit peu, quoi. Voilà. Voilà, fallait suivre les cours à l'école. Ouais, non mais, ouais, voilà, un peu compliqué. Alors, excusez-moi, faut quand même bien travailler son... L'échec scolaire frappe toujours un jour. Do you speak English, ugly bastard? Non, mais t'inquiète, je... Ah, les options, c'est important, les options. C'est très important, les options. Alors, FPS, on va laisser comme ça en vrai. Hein. Qualité ultra, non, bon, on va mettre height. Hein. Il y a des trucs, j'ai pas envie de perdre. Après, le jeu pèse 2 Go en vrai. Je vois pas qu'il y ait 30 000 trucs. Ah, mais le jeu est français. Je suis con, c'est français. Mais tout va bien. Agressivité du système de hantise. Ça veut dire quoi ça? Événement d'histoire, contenu saisonnier. Randomisation. Ça, on va laisser, c'est dans le jeu. Se déplacer. Alors, ZQSD, c'est bon. S'accroupir, contrôle, courir, mage. Ah, ouais, on fera avec. Inventaire rapide, RMB. Ah oui, on va pas aller très loin là. C'est quoi RMB comme touche? Je sais pas ce que c'est RMB, on va aller crever. Hein. Utiliser le brancard. Ok, lire le presse-papier. T. E, T, bah R, ça sert à quoi? À rien. D'accord, ok, bah R, à rien. Ouais, on est pas loin. Sensibilité caméra, on va laisser comme ça. Interagir, on va vraiment falloir compris pour trouver les bonnes touches. Hein. Inventaire rapide et interagir. Ruban de livraison, je sais pas ce que c'est. Porte-bloc. Je sais pas ce que c'est. Inventaire tab. Ok, on a le bouton échappe qui va servir énormément dans le jeu. Nouveau service. Bon. Ah, mais c'est en français. Ah, mais c'est nickel. Bon, le jeu. Alors, je vous préviens d'un truc. Bon, déjà, je vais avoir peur. Ça, vous le savez tous. Non, la question, c'est si le jeu est compliqué, moi, vous voulez pas de galérer 10 ans à passer une étape, par contre. Hein. Voilà. Bon, en plus, le truc, le fait que ce soit français carie un peu le truc, en fait. Quoi. Vous n'avez pas tous les sous-titres. Il y avait écrit félicitations ma chérie en dessous. Il voit si macabre, mais... Je ne vais pas vous faire les dialogues, mais... Je vous laisse écouter, quoi. On est elle, là? D'accord, ok, ça commence bien. Genre, il y a une histoire dans le jeu, là, quoi. Ma main, elle tremble quand je bois du Fanta, on est où, là? But my old teacher, Mr. Delver, transferred me to his office to finalize my internship there. Quel des deux tu te ferais? Where's he located? Are you moving away from me? No. Je pense aucune des deux vu la texture des cheveux, quoi. Mais bon, t'as oublié de bang la touche pour sneak, enculé. De bang? Pourquoi tu veux que je la bang cette touche-là? Je sneak avec contrôle, quoi. Et je cours avec mage. Je vais plus courir que m'accroupir, je peux lui tout de suite, je pense. Hein. Les deux smash. Excusez-moi, je vais pas commencer à tromper mon nombre au cœur là. Elle m'attend dans Baldur Gates, hein, excusez-moi. Par contre, on sent que le jeu c'est pas beaucoup de moyens parce que Dwarf c'est juste une lumière blanche quoi. On a pas animé une ville quoi. On a animé une lure. Ah. I don't know if I want that. Just take it, please. Should be yours anyway. Alors, l'histoire, je suis au courant de rien. Et le jeu, je connais un peu parce que bah, j'ai déjà vu sur plusieurs streams, quoi. Puis des vidéos YouTube, quoi. Thanks. Mais pour la fois que je l'ai vu en stream, je me dis, mais c'est quoi ce jeu de merde? Pas pensé ça très longtemps, quoi. When is all this happening? When do you start? I've actually been there for a few weeks now. On a une évaluation? Toi, on arrive sur une éval, quoi. Et si c'était égaux, les deux meufs? Alors on ferait un plan à 3, mais je pense qu'Hugo pourrait être jaloux de lui-même, tu vois, ce serait compliqué, quoi. Ce serait très compliqué.
J'aurais dû laisser la musique du Dr House dans le jeu en fait. Et genre couper le volume du jeu. Et on pouvait couper que le volume et pas la musique quoi. Donc faut se taper la musique macabre. Alright. Here we go. T'inquiète, ça vient se passer. Oh shit, here we go again. Limite elle aurait pu dire ça, ça m'aurait pas choqué. On contrôle. Ah oui, la sensi caméra par contre, ok, c'est vraiment low quoi. Ah oui, Ah ouais, ok, je peux changer juste ça vite fait, hein. C'était où que j'avais vu attendez un petit peu, non mais là on va pas le mettre à 0.12, parce qu'il faut se faire foutre. J'ai pas envie d'y croire. Ok, voilà, c'est beaucoup mieux. On va baisser un peu la... Hop. Excusez-moi. Hop, parce que là, ça va pas être possible de jouer comme ça, je vous le dis tout de suite. Hein. Ok, bon, alors un petit café pour commencer la journée. On a une horloge. Oh, je vais prendre un truc. Ok. Je sais pas ce que je peux faire. Fais gaffe, t'es en 144, 243, c'est trop chiant. Quoi? Attends, quoi? Je suis en 144 Hz. Ça change vraiment quelque chose? Attends, c'est où ça? Je peux pas, il y a que 144. Ah non, attends. Ouais, mais c'est 60 ou 144 en fait. Pardon, je sais pas ce que tu conseilles le plus entre les deux. C'est quoi le mieux entre les deux? Parce que là, il n'y a pas. Si c'est un troll, je me suis fait niquer, je vous dis tout de suite. Mais non, parce que j'y connais rien, moi, le son. Là. Le son, j'ai le truc où j'ai le moins pris pour l'instant. Donc mes formations en termes de son, c'est catastrophique pour l'instant. C'était une vanne menouille. D'accord. Ah attends, parce que je rigole un petit peu avant de relancer le jeu. Ok, j'ai quoi dans mon inventaire? Inventaire, vous tenez les grands objets dans vos mains. Si vos deux mains sont prises, il vous faudra lâcher un grand objet avant de pouvoir en saisir un autre. Les petits objets sont conservés dans vos poches. Sélectionnez un objet pour l'afficher. Après avoir sélectionné un objet, sa description s'affichera en dessous. Si un objet peut être lâché, un bouton se lâche. Attends, quoi? Après avoir sélectionné un objet, sa description s'affichera en dessous. Si un objet peut être lâché, il y en a qui ne peuvent pas être lâchés. Un bouton lâché se trouvera sur la description de l'objet. Pourquoi j'aimerais drop mes objets? Bon, je peux pas prendre ça du coup. Je vais me faire foutre. Bon, bah, on va faire tomber les deux tasses. Hein. Excusez-moi, je viens de travailler là. On peut lancer la musique? Non. Faire un café? Non plus. Ça commence bien la visibilité du jeu là. Bonjour! Je viens pour un nouveau travail. J'ai une évaluation apparemment ici. Bon. Ah ouais. Ah. Rebecca, il y a une dernière chose que j'ai oublié de te donner. Prends un crayon sur mon bureau et signe. Merci, Zoé, PS, bon courage. Je vais me débarbouiller la gueule avant. Ah oh, putain, j'ai fermé la salle de bain. Je peux vraiment rien faire dans le jeu. Là, je rentre pas là-dedans, ça c'est mort. Jamais du jeu, vous me... Là, on peut... Que le stream dure une demi-heure ou trois heures sur ce jeu, cette pièce-là au fond, j'y rentrerai jamais. Voilà, vous êtes au courant. Bon, les croix d'église, hein, ça c'est classique, hein, on est dans... Oh, des bonbons, je peux pas prendre des bonbons, d'accord. On va y prendre un crayon. Il y en a qu'un, bon, ceci étant dit. Crayon, permet de signer des papiers restant sur la porte, d'accord, ok, merci. Merde, inventaire rapide, quoi? Accédez à l'inventaire rapide et choisissez l'objet que vous souhaitez utiliser dans la plupart des cas, mais pas tous. L'icône d'utilisation d'objets apparaîtra aux endroits où vous pouvez utiliser des objets. Mais du coup... Inventaire rapide et choisissez l'objet que vous souhaitez utiliser. Mais l'inventaire rapide, c'est quoi comme touche? Ah, c'est clic droit, ok. Ok, j'ai compris. Ah, ok, c'est double clic, ok. Et donc, du coup, si je fais ça, je peux prendre la tasse? Ah non, je peux juste. Ok. Ah oui. Je peux la te. Parce que si je peux, c'est grave. Ok, je peux pas. Ok, ça veut dire que ça va rester allumé ou que ça va rester fermé. Tu sens le clou de girofle. Ah, c'est gentil. Je vais prendre ça comme un compliment. Je sais pas quelle odeur ça a, le clou de girofle. J'en ai pas mangé de pain, j'en ai pas bu depuis longtemps. Hugo, viens chez toi à Toulouse. Ah bah yes, alors là, pas de soucis, je vais arrêter le jeu, t'inquiète pas, là c'est une... N'importe quelle justification me fera arrêter le jeu en fait, j'y tiens pas assez pour y tenir longtemps au jeu là. Bonjour. Y'a pas quelqu'un ici? Ah! Parfait, y'a quelqu'un avec moi! Madame Page. Déplacez les cadavres, servez-vous du brancard en vous tenant derrière et en appuyant sur la touche d'interaction pour reculer avec le brancard. C'est cool, c'est en français. Au moins, vous ne pouvez pas m'engueuler pour dire que je suis nul en anglais.
J'aurais dû fermer ma gueule sur mon niveau en anglais, parce que j'en ai pas besoin en fait de mon niveau en anglais. On peut fermer la fenêtre. Ça sent déjà la merde de pas pouvoir faire ça. Bon, c'est allumé, ça devrait bien se passer. Bouge pas de là où t'es, mon frérot. On peut pas faire comme ça, au pire. On peut pas voir où je vais, je vais vraiment me faire foutre. Bon, bah, je sais pas voir où je vais. Ça commence toujours mal. Bon, bouge pas, frérot. Je sais pas comment il s'appelle, monsieur Dalton, là. Pas le mettre droit. Je passe la porte, de toute façon. Je peux pas bouger ma caméra. Ah, c'est nickel, ça. Chambre froide. Pour amener ou sortir un corps dans la chambre froide, ouvrez le compartiment avec le nom du corps, tirez le support et placez le chariot dessus. C'est quoi cette porte là? J'ai peur un peu de cette porte au fond là. Il y a des noms? Ah mais ils n'ont pas de nom les autres. Ah, Madame Page, Dorothy Page, ok. Et Monsieur Oswald, Oswald Dalton. Pas Dalton, Dalton. C'est quoi ça? Ok, ça je peux ouvrir. Pas vraiment. Bon. Merde. Mais... Ok, alors on va avoir un problème de jouabilité là, comment... Ah oui, excusez-moi. Ah, pas que je le rentre lui. Ah, ok. Et on tape pas contre la porte, hein. On va dire ça. Parce que bon. Joue à The FK Assistant la plus vite. Oh non, non, mais là c'est comme un Outlast. Oh, c'est moi qui décide la vitesse de ce truc. Oh putain. C'est marrant. Elle, je l'ai vu pas mal de fois dans les différents streams. Celle que je connais le plus. Alors, pas le nom, hein, même si ça s'appelle Dorothy Page, hein, mais. Bon, Madame Page. C'est horrible pour tourner le truc. Elle attend de remourir une deuxième fois, mais je vois toujours pas où je vais, ça me frustre. On va dire que c'est la bonne direction. Bonjour. Nickel. Vas-y. Des marques distinctives. Ah, le truc là. Ok. Un bloc accueillant les formulaires et servant à tenir un suivi des tâches des pompes funèbres. Grand objet. J'ai pas retenu la différence entre les grands et les petits objets, je suis déjà dans la merde. C'est déjà fini de ma part. C'est le truc de base, je m'en souviens pas. C'est fini. Alors, espace. Du coup, dans mon inventaire... Ah, mais j'ai plus de crayon déjà. Ok. Alors. Notez toutes les marques distinctives, c'est-à-dire les marques sur ordinateur... Et imprimer le rapport d'embaumement. Ok, ça marche. Comment je fais ça sur... Oh, ok. Ouais, pas parce que je regarde des DSP que je sais y jouer, hein. Ça c'est encore autre chose. Inspectez un corps. Faites passer le curseur sur les particularités des corps, comme les grains de beauté, les égratignures et les bleus, pour interagir avec elles et les consigner sur le porte-bloc. Faire pivoter. Faut juste que je fasse passer le curseur. Ah, il écrit... Il n'y a pas de bleu partout là? C'est pas des bleus ça? Mais oui, je me plante. Hein. Ah, voilà, tout simplement. Les yeux sont bizarres. En plus, c'est peut-être le séchement de la peau, hein. J'y connais rien. Ok. Ok. Faire pivoter. Bon, il n'y a rien.
on va cliquer. Sauf étant donné que les clics sont pas. Ah merde. Étant donné que les clics sont pas échappés, ça fonctionne pour faire un retour. Ah non, c'est retour comme ça, ok. These old windows never stay latched. Ah ouais, payer un salaire à 5 chiffres, mais vas-y, les fenêtres sont pas réparées quoi. Y'a pas un truc, genre ça fume quand y'a un. Attendez. Ou alors si c'est trop facile par contre. Le jeu peut être facile même s'il fait peur. Hein. Ah non, c'est bon, tout ne fume pas. Bon, elle est morte de quoi par contre? Parce que bon, quand même pas mal de trucs différents. Bah, y'a une tache de sang, mais c'est pas grave, on va dire que. C'est pas important. The mortuary assisté. D'accord, ok. Ok, ok. Après, je vous avoue. Il y a deux couloirs de merde, je sais que dans les couloirs il y a des trucs de merde qui vont apparaître. Bon, faire pivoter. Ah oui, puis d'accord, on va se retourner d'un coup, là je vais commencer à bégayer, je vous le dis qu'il y a rien là-dedans. Il n'y a rien apparemment. Ok, non, le corps est normal. Hein. Ah, bah. Ouais, il est normal, normal dans une morgue, quoi. Comment je fais le rapport sur le truc? Saisir, noter toutes les marques distinctives. Ah, c'est pas bon pour lui. Genre, j'ai oublié un truc là. Arrêtez. Bonsoir, tu arrives au moment le plus calme du stream, c'est-à-dire tout le stream. Attendez, mais j'ai oublié un truc apparemment. Je suis une merde à ce moment-là. J'ai cliqué partout, arrêtez. Il y avait un truc sur la tête. Bonjour. Excusez-moi, apparemment, j'ai oublié un truc, madame. Moi, je suis quand même pas con à ce moment-là. Je n'ai quand même pas les yeux. J'ai pas beaucoup envie de tiquer sur les yeux, bizarrement, quoi. Merde, de l'autre côté. Non, la tête s'en met quand même normalement. Ouais, ouais, ouais. Elle fait pareil avec les mains. Elle fait pareil avec les mains. Bon, c'est inquiétant. Mais qu'est-ce que j'ai pu oublier pour qu'ils me disent que c'est pas bon? Bras droit. Bon, pourtant, j'ai... Imperfection, imperfection. Ah, et peut-être les imperfections, toi. Il est sous ma gueule. Normalement, je veux dire quand Loki est en train de se plaindre des combats de Baldur's Gate, donc ça change un peu. Je me plains pas des combats, je dis juste qu'il faudrait changer la mécanique de certains combats, quoi. Mais. Ah! What? Arrête, y'avait. Rougeur! C'est mal la gueule des rougeurs quoi. Parce que le Toki se plaint tout le temps des combats Baldur, c'est faux. Du coup j'ai pas écouté, du coup je vais prendre ton PC pour noter je pense. Alors pour accéder aux informations sur les cadavres, cliquez sur l'icône du système d'archivage. Bon. Quoi? Non mais d'accord, ok. Non mais pourquoi quand je suis sur le PC j'ai des trucs de merde là? Ça c'est parce que tu l'as pas mis en ultra. Ah, donc je vais me faire foutre en fait. Bon, on va cliquer partout à chaque fois, on va faire comme ça. Pour accéder aux informations sur les cadavres, cliquez sur l'icône du système d'archivage pour ouvrir le programme. Faites correspondre les sections de votre porte-bloc à celles sur l'ordinateur. Une fois toutes les informations saisies dans le système, cliquez sur confirmer pour imprimer les dossiers d'embaumement. Puis classer les archives à l'accueil pour commencer l'embaumement. Ça marche. Ce système est restreint au Thanatropacteur de Riverfield. Ah merde. Il surveille mon épaule là? Non. Alors, Ah, ça commence plutôt bien en effet, ouais. Je vous confirme, 87 ans. Elle a 87 ans, mais la vache. Ça va, 87 ans, j'aurais pas dit autant. Enfin, j'aurais pas dit. C'est pas. J'aurais dit plus, pardon. Et du coup, c'est pas une bonne chose. Ok, j'ai rien dit, Maybell. Bon, après 87 ans, c'est une belle vie. Hein. Je peux pas écrire. Mais attends, votre jeu il est bugué. Je vous jure, votre jeu il est bugué, je peux pas écrire. Bon. On va prendre une entrée numéro 2. Non, mais je vous jure, je peux pas écrire. Page, peut-être? Il faut écrire un truc précis. Je peux écrire nulle part, ceci dit. C'est... Non, arrêtez, Woodjoy. On fait comment? Si c'est comme ça, vous n'avez pas une autre façon d'écrire, peut-être? Je vous jure, je peux pas écrire. Si j'essaye Dorothy, il ne veut pas. Si j'écris Page, il veut pas. Des points. Oui, mais non, il nous aurait voulu. Je vous jure que le jeu est planté. 87. Je vous jure que 87 il ne veut pas non plus. Tous les chiffres il veut pas.
Clique sur la croix rouge en haut à droite. Ça, c'est pour fermer le truc. Il faut que je les note, les trucs. Il faut que je note les indications du calepin. Ah, il y avait un... Oh, mais je suis un fils de pute, il y avait un 6 sur 6. J'aurais dû le savoir qu'il me manquait un truc sur un endroit. Attendez, épaule droite. Ouais, si je vais là, je peux écrire Kera. Je peux rien écrire du tout. Non, mais votre jeu, il est planté, là. Non, mais si je mets confirmé... Mais il veut pas. Information saisie, clé sur confirmé pour imprimer les dossiers en volement. Bah oui, c'est ce que je fais. Ah ah, je suis un fils de pute. Attendez. Oh, c'est tellement nul. Oh, c'est tellement nul à chier. Ok, épaule droite. Épaule gauche. Bras gauche. Ok. Bras droit. Ok, jambe droite. Ok, et jambe gauche, imperfection. Confirmé. Voilà. ASMR clavier de Loki. ASMR, Loki rage dès le début, quoi, surtout. Elle est où l'imprimante, monsieur? J'ai entendu l'imprimante, donc elle doit pas être très loin. Je suis... ah. Alors, rapport d'embaumement. Le papier des pompes funèbres en rapport avec le traitement des cadavres, les classer à l'accueil pour qu'ils soient disponibles en cas de besoin. En réalité, il n'y a même plus de réaction à ce point. D'accord, ça marche. Ah ouais. C'est normal ça? On va dire que oui, hein. On va dire que le jeu, normalement, il s'est commencé soft et dans le tuto, il pense à me faire chier, quoi. J'ai qu'une seule question, ça y était ça avant quand je suis arrivé? Non mais premier degré là ça y était pas, c'est quand je suis arrivé, je l'aurais vu. Bonjour madame. Très beau tableau. C'est l'heure d'embaumer. Allez, on regarde pas le tableau, on ferme cette porte. Par contre sans elle là. Oh mais Raymond, tu me fais plus peur que le reste du jeu, tais-toi. Je t'observerai. D'accord, ok. Tout est écrit sur ta liste en cas de besoin. Oui. Oui, elle y était. Moi, je suis vraiment en aveugle. Ok, ma liste. Alors, oh putain, la lumière. Je vous jure, j'arrive pas à lire ce qui est écrit. Attendez. Ferme. Avec. Mais je vous jure, j'arrive. Je suis un fils de pute, hein. Attendez. Mais le jeu se fout de ma gueule. Ah, lire, T. Fermez la mâchoire avec l'injecteur à aiguilles et les aiguilles de fixation. Insérez des couvreuils pour maintenir les yeux fermés. C'est glauque de fou. Attendez, même sans screamer, le jeu serait glauque de fou en fait. Mélangez le fluide d'embaumement dans la pompe. Glutarit. Ok. Effectuez des incisions dans la carotide et la veine jugulaire avec le scalpel. Utilisez la pince pour fixer le tube aux deux veines et connecter la pompe dans. Oh, activez la pompe pour vider le corps, désactivez la pompe, retirer le tube et fermer l'incision. Remplir une poche de transfusion vide avec du fluide de cavité. Fluide de cavité, oui, certes. Puis insérer le troca. Pour la cavité abdominale. Mélanger les nettoyants du placard dans la veine. C'est bien pour créer des nettoyants de réservoir, puis le verser dans la pompe à un moment. Appliquer les hydratants sur le visage, ramener le corps à la chambre froide. Fermez la mâchoire avec l'injecteur à aiguille et les aiguilles de fixation. D'accord. La question c'est où est-ce que je chope tout ça? Parce que là, dans mon inventaire, on n'est pas prêt pour la découverte que Raymond, le xénomorphe d'Alien Isolation qui a subi Loki pour le tromper une fois de plus et nous fournir un clip. Attention, vous n'avez pas clip votre merde là, vous n'avez pas clip tous les screamers pour que vous foutez sur TikTok, on en est pas. On avait dépassé ça avec Alan Wake là. Y a un problème, ton bateau, je le trouve où? T'as une armoire derrière toi, ça m'intéresse bien, c'est peut-être celle-là, remarque, je sais ça. Ouais, c'est pas celle-là du coup. Pas dans la poubelle non plus. Cavité fluide. Ah, ça c'est pas tout de suite. Qu'est-ce qu'il nous faut déjà? Une injecteur à aiguille. On va commencer à se rencontrer par ça déjà. Ah, mais tout m'est fermé. Mais je travaille ici ou je suis dans une prison? Ouais, je peux vraiment rien faire en fait. Ah, ok. Alors,
L'injecte hydratante, une injecte servant à hydrater la peau des cadavres. Ouais, moi juste que sur Alan Wake, il n'y a pas eu de clip, quoi. J'étais bien, tu vois. Oh, il y en avait deux, mais j'étais soft, quoi. Puis c'était pas des clips où j'avais peur. De toute façon, j'ai pas vraiment eu peur dans Alan Wake. Hein. Alors, aiguille de fixation. Pointe avec une longueur de fil à utiliser avec un injecteur à aiguille. Ah, on a un des premiers trucs qu'il nous fallait déjà. C'est des aiguilles dans le crâne. Ah ouais, là, vous voyez? Ça, là. Ça. Ce truc-là. Là. Ça suffit à faire peur. C'est suffisant. Genre, il n'y a pas besoin de mettre des screamers en plus. Scalpel. Ah ouais, ça va commencer à être glauque, là, par contre, le scalpel, là. Couvre-œil. Oui. Tube en PVC. Je peux plus rien porter. Quoi? Vous avez les mains prises. Ah, mon inventaire est plein. D'accord, bah on va poser ça, c'est pas grave. Madame. Excusez-moi. Tab pour l'inventaire. Alors du coup, faut que je commence par l'injecteur. C'est ça l'injecteur, c'est ça? Injecteur à aiguille. Il faut que je fasse quoi avec l'injecteur à aiguille? Je rejoue demain. À ce jeu-là, mais je pense que j'y rejouerai plus jamais après ce stream, surtout. Injecteur à aiguille et les aiguilles, les fixations. Mais c'est de ce que j'ai. On est bien. Regardez. Merde. Aiguille de fixation. Alors attendez, du coup, faut que je fasse ça. Non, attendez. Ah, lâcher. Mais si je le lâche, ça va pas me le mettre là. Oh putain, attendez, je vais le mettre devant ça. Bon, on va fermer du coup, c'était bien fermé. C'était très très bien. Ah, ça le lâche vraiment par terre, j'en avais... D'accord. Oh, je vais pas le poser vraiment premier degré quelque part où je vais pas le perdre. Donc après premier degré, je vais commencer à le charger pendant 10 ans et ça va me tilter tout seul. Je peux sauter? On peut pas sauter. Oui, non, il se passe pas pour sauter. Bon, on va les mettre par terre devant le radiateur. C'est pas grave, ce sera pareil. Alors, lâcher. Ok. Ok, il y a un truc qui m'échappe là. Alors, préparation du visage. Mettez le manipulateur en place et appuyez sur le bouton d'injection pour insérer des aiguilles dans le crâne. Puis tordez les fils pour fermer la mâchoire. Je fasse quoi là? Non mais vous allez me dire, tu viens de le lire, mais oui, mais c'est ce qui... What the fuck? Je viens d'imaginer une scène où t'es tellement lent que la fille, elle se réveille puis elle dit « Mais tu bouges un peu ?» Ça bouge pas ça? Attendez, j'ai... Ok, vraiment c'est pas ça. On peut aller très loin, hein. On peut faire plus vite, hein. Non. On peut faire ça avec la flèche, mais ça ne change rien du tout. Ah, c'est méga glauque. La tête bouge en fonction du... Oh putain. Vous voyez? Pas besoin de screamer. Ça fait déjà peur en vrai. S'il te plaît, travaille pas. Bon, ça. Je fais quoi? Ok, première étape faite. On a passé combien de temps sur la première étape? 40 minutes, je suis vraiment fils de pute. Hein. Insérer des couvre-œils pour maintenir les yeux fermés. D'accord. Du coup, on les a les couvre-œils, non? Attendez. Ok. Oh putain, il va falloir faire pareil. Alors, attendez. Attendez. Ça veut dire que j'ai plus mes équipements, là? Quand tu les fais une fois, tu les perds, les équipements? Ok, bon, admettons. Je cherche pas plus loin. Si on a besoin, ils nous les rendront. Ok. Alors, permet de garder les paupières fermées. Et sauvegarde, ça se passe comment? Attendez, juste, j'ai une seule question pour me spoil. Est-ce qu'on peut mourir dans le jeu? Est-ce qu'il faut sauvegarder quelque chose ou... Est-ce que c'est comme Baldur's, on a des sauvegardes manuelles quand on veut? Ou est-ce que c'est comme Resident Evil, qu'on a des sauvegardes posées de temps en temps? Ou est-ce qu'on peut pas mourir et que les sauvegardes, on s'en fout complètement? Juste pour savoir, parce que s'il y a une sauvegarde, est-ce que je vais la choper quelque part? Parce que je peux pas sauvegarder ici, je peux que sortir, donc je sais pas comment ça se passe. Juste ça, à la limite, mais par curiosité.
Parce que j'ose espérer que si vous m'avez proposé le jeu, vous le connaissez un minimum quand même. On va pas se mentir, hein, mais il faut commencer à sauvegarder avant de se prendre une balle perdue ou un monstre. Pas besoin de sauvegarde. Allez, ça me va. Mise en position découvre-œil. Utilisez les manipulateurs pour ouvrir complètement la paupière, interagissez avec l'œil, puis placez le capuchon. Puis fermez l'œil. Bon, ça m'a l'air assez... Merde, il n'est pas ouvert avant de tourner. Il doit me prendre vraiment pour un débile, le mec qui me regarde, là, Raymond, là. Mélangez le fluide d'embaumement dans la pompe. Ah, la pompe est là-bas. Alors, du glutaradélide, du méthanol, de l'humectant et du formadélide. Non, tout à fait. Tout à fait, c'est super... C'est the super sympa, assistante. Oui, oui, j'imagine. Ah, du coup, il me faut les produits en question. Ah! C'est quoi pour m'accroupir? Ok, alors, il me faut du pharmacien, il me le faut, voilà, de l'ultra-ADN, il m'en faut, mais arrête, je suis plein, hein. Putain, mais l'inventaire, c'est une dinguerie, hein. Wow, ok. Sometimes we get chemicals that haven't been stored properly. Ah ouais! Non, tu. Ne t'interromps pas, je m'en occupe. Ok, je. Alors. Ouais, et l'insulter? Pleurer? D'accord, ok. Ça suffit, qu'est-ce que comme ça, et pleurer? C'est quoi votre dinguerie là? Méthanol, c'est du. Ah oui, donc là, on en a un qui est en plein cours de physique chimie, d'accord. Vous êtes tous les trois en vogue pour regarder son stream. Vous êtes des chacals hein, de faire ça. Je vais vous mettre une pression. S'il y a une histoire, parce qu'il y a plus ou moins une histoire de ce que j'ai compris, hein, vu qu'on a des cinématiques, lui là, lui c'est un fils de pute en fait. Voilà, c'est tout ce que. If I speak, lui c'est un fils de pute. Voilà, dans l'histoire. Je peux les ramasser ou je peux même pas les ramasser. Bon, ok. On va les prendre par là. Hein. Pas question que je jette ce truc. Hein. Méthanol, il m'en faut. J'espère qu'il y a pas. J'allais dire pour rigoler, j'espère qu'il n'y a pas un ordre. Mais en effet, j'espère qu'il n'y a pas un ordre, quoi, parce que dans tous les cas, on le mélange, quoi. Enfin, ceci dit, ok, l'humectant. Ok, ça c'est l'humectant, on va dire. Humectant. Ah, allez, le jeu est logique. Les quatre sont à côté. Et je sais tout à fait comment on mélange après. Que ce soit déjà mélangé, que je suis un connard. Ah oui. Effectue une incision dans la carotide et la veine jugulaire. D'accord. Bon, la carotide, je sais où c'est, donc on va espérer que ça n'est qu'une affaire. Où est le scalpel? J'ai le scalpel. Sympa cette partie d'Adibou. Un peu, ouais. Je sais pas si j'irai jusqu'à là, mais bon. Oh putain, c'est. C'est glauque de fou. Certains objets doivent être utilisés directement sur le corps. Pour utiliser un objet, ouvrez l'inventaire rapide et sélectionnez l'objet dont vous avez besoin. Je sais que mon porte-bloc, ça va être compliqué. Attendez, madame. Restez comme ça à l'air libre. Ça va bien se passer. Utilisez la pince pour fixer le tube aux deux veines. Oh, ça a l'air méga glauque. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, là? Utilisez la pince et le tube. Ok. Alors, la pince et le tube. La pince... Hop, parce qu'ici on est des rats. Il y a qu'une pince, vous l'avez. Et le tube. Trocard. D'accord, ok. C'est pas le tube. Flex blague. PVC. Allez. On peut tout prendre sur nous ou pas? On peut tout prendre. Ah bah non, je vais me faire foutre. My bad. Ça je peux le prendre. Non, vraiment pas. Ok. Loki, mon poème Pokémon. Alors, je l'ai pas trouvé, mais partant du principe que je peux tout à fait me planter, je peux te le faire en stream si tu veux. Vas-y, ça me divertira de... Oh putain, c'est glauque de fou. On a Pokémon et je me débrouille pour essayer de te le faire en stream. Je déconne, je te le ferai pour le prochain stream. Mais ouais, en plus, je voulais t'en parler, parce qu'en plus, j'avais regardé quand on avait parlé... Je vais te préparer. Non, mais tu vois, on en avait parlé quand on avait fait Alta Company, et c'est vrai que
j'avais regardé, que je l'ai pas trouvé. Et c'est vrai que je m'étais dit, mais de toute façon, dans le doute. Parce qu'en fait, c'est juste qu'on peut les effacer. Ça se trouve, je l'ai effacé sans faire exprès. Parce que quand c'est fait, en fait, ça permet de. Tu peux mettre que ça a été fait. J'ai dû peut-être le faire aussi. Il me semblait bien, t'en avais un, de toute façon. Parce qu'il me semble que t'avais balancé un tas de morphes ou un gros tas de morphes de la forme d'Alola en plus. Ça me rappelle des souvenirs, donc il y a une chance. Activer la pompe pour vider le corps. Oui, bien sûr. C'est une pompe ou une machine à café? Ah oui, là, ah oui. Bon, bon, alors là, Raymond. Oh, nique ta mère. C'est long de fou, par contre. Hein. Ah, je suis désolé, mais c'est long de fou, là. Ça va être sinon votre journée, vous? Je sais qu'il y a des gens qui ont joué à Rocket League. C'était bien, Rocket League? Ah, je crois que c'est bon. Ça fait un bruit comme ça, je crois. Faut l'arrêter? Ouais, faut l'arrêter. C'est bon, là, on est d'accord, ça faisait un bruit bizarre. C'est bon, il l'a validé. Nickel. Ah, je crois que c'est un morve. Après, tu peux toujours la changer, après, hein, si tu veux un autre Pokémon. Sors bien à la fraise, Arclut et toi. Raymond, elle... Ok, je le sens dans mes orteils. Ok. Un peu bizarre. Désactiver la pompe, retirer les tubes et fermer l'incision. On est chirurgien, c'est comment? Je connais pas le métier, mais bon. Ah. Bon. J'ai envie de dire, faites quand même des études de médecine, parce que ça se fait pas comme ça, quoi. Voilà. Ta mort, c'est bien. Ok. Il l'a dit. Non, j'ai lu le début, mais j'ai vite capté votre connerie à la con, là. Remplir une poche de transfusion vide avec du fluide de cavité, puis insérer le trocar dans la cavité abominale. C'est ça, non, la poche de transfusion. Faut la remplir avec du fluide de cavité. Ok, et ça. Alors ça remplit? Ah bah c'était rapide. C'était très rapide. J'ai l'impression qu'il me juge un peu quand même. Hein. En plus il a pas ramassé les trucs comme il l'a dit. Prochain jeu, tu fais celui de Damien sur le colon. Là. Non mais alors là, vos grands morts, ce jeu-là, je l'allume même pas. Elle défiche, j'aurais pu le défi, j'aurais pu fixer des objectifs. Mais j'ai mis de l'alcool, je suis bourré. Je vais fixer des objectifs. Le prochain jeu, je vous jure, si c'est le truc du colon, je vous trouve autre chose. Non, ce jeu-là, je pense qu'il va pas passer. Il va pas passer, je pense. Il y aura une barrière. Il y a la première étape à passer. Par chance, The Mortuary l'a passé. Je ne sais pas comment il a pu passer cette barrière-là. Le 3 cartes, du coup, c'est ce que j'ai. La cavité abdominale. Oui, bah alors là, on va espérer que je ne me plante pas sur ce que c'est que la cavité abdominale, parce que... Mais méga note en SVT, c'était 4 sur 20. C'est ça, hein. Remplir les cavités. Insérer le trocar jusqu'à ce qu'il se bloque pour commencer l'injection de liquide dans le bonbon. Une fois la cavité pleine, retirez le trocar, faites-le pivoter pour réinsérer. Puis réinsérer-le jusqu'à ce que la poche soit vide. Quoi? Quoi? Et pourquoi? Ah. Ah merde. Oh, j'ai compris comment ça fonctionne. Ça a l'air dégueulasse, ce fuck. Hein. Il y a des gens qui font ça, ils sont payés le SMIC pour ça, les gens, des fois. J'espère qu'ils sont payés plus que le SMIC, ça a l'air dégoûtant. Il n'y a aucune différence entre le avant et le après, hein, j'ai envie de vous dire. Ok. Mélanger et nettoyant du placard de la salle de bain. Donc, vous êtes en train de me dire que techniquement, à chaque corps, je suis obligé de me retrouver dans la salle de bain de merde là? Non mais faut aller se faire enculer. Les portes que j'ai fermées avec le tableau de merde là, on est d'accord. Bon. Ah ouais. Toujours aussi pétable, ouais.
Oh non. Non, mais c'est la salle de merde, ça. Non, mais il va se passer une dinguerie sur ce. Non, mais là, je vais pas y aller. Putain. J'ai même pas... Faut que je fasse quoi déjà, premier degré? Les nettoyants. Ça va être la merde. Alors là, Rebecca, adieu. Oh. On ne voit pas le miroir. Hop. Pourquoi tu l'as lagué là? Attendez vos conneries là, c'est... il se fout de ma gueule. Je lis le bloc-notes. Ouais, ça je vois pas la moitié du jeu. Enfin, c'est ça qu'il faut que je fasse. Faut que je joue avec ça à chaque fois. Comme ça je vois pas mon écran. C'est la bonne strat. Puis je vais dans la pompe d'abonnement. Pardon, excuse-moi, j'ai une nouvelle strat, tu permets. Oh, c'est encore un bruit de merde. Je sais pas. Mélanger les nettoyants du placard. Bah c'est bon. Ah mais faut que je l'active peut-être. Ah non, c'est juste que c'est long. D'accord, my bad. Appliquer de l'hydratant sur le visage. Ah, j'ai nettoyé la pompe. D'accord. Bah, faut peut-être dû le mettre en dernier du coup, ça non. On va nettoyer la pompe. Genre, on le fait quand on a ramené le corps. On laisse pas le corps comme ça traîner. Et hydratant, du coup, c'est ça? Ah, j'étais hydratante. Bah, voilà. Écoutez, on a carré le premier corps. Hein. Après, c'est tout. Hein, c'est fini après. Hein. Ah, voilà. Bon, écoutez, le premier corps, c'est bien passé. La lueur là-bas me met pas en confiance. Tu l'as vu, Raymond? Non, lui c'est harcèlement sexuel au travail. Hein. J'aime bien travailler dans un truc fermé, Raymond. Faites passer la lingette sur le visage en maintenant la touche de ses réactions. J'ai vraiment pas envie. Non, bah j'ai pas confiance là. Il passe à rien, faut que je clique. Ah, il faut que je clique, my bad. Excusez-moi. Bon, ça je connaissais, je pourrais rien dire. Mais je savais pas quoi ce que ça allait se faire, mais je connaissais. Ouais, je rentre chez moi. Bah voilà les gars, 25 euros. Don't worry, you're doing great. I'll get the last of your paperwork sorted today and call you in for your first shift. Ok, ça marche. Go ahead. It's fine. Faut que je sorte? I'll give you a call when we get somewhere. Ah ouais, faut que je passe par le couloir de merde là? Ah ouais. En vrai, un corps c'est bien en vrai, non? Pour le jeu entier là. Ça me fait peur, le tableau me fait peur. Hein. Voilà, my first body, complète de tutoriel. Voilà, une heure. Après, il y avait l'intro qui était un peu longue. Bon, ça va. La première étape n'a pas été la plus compliquée. Oh, je suis chez moi? Arrête. Il n'y a pas que des trucs qui sont tombés. Tu vas devoir faire le corps de Gwil, c'est suicidé d'attente. T'inquiète. Là, je passerai plus d'une heure, quoi. Pardon, j'ai la voix un peu enrouée en ce moment. Oh, le double appel! Oh, hi, Mr. Delver. Look, if I did anything wrong today, just... No. I wanted to apologize. Il me cache un truc. Non, mais Raymond, il me cache une dinguerie. That's actually why I'm calling. I know it's late, but... Trois cadavres. On fait pas les trois, je vous le dis tout de suite. Hein. Vu qu'on a passé une heure sur un cadavre, on va pas faire les trois, je vous le dis tout de suite. Là, de base, parce que mon cœur ne va pas tenir trois cadavres. Mais à ma patience à faire trois fois la même chose non plus en fait. Les trois trucs combinés, enfin les deux trucs combinés, ça fonctionnera pas.
On peut au moins essayer d'en faire un ou deux déjà, quoi, mais on verra le troisième, quoi. On va déjà en faire un, déjà, on verra ce qui se passe déjà. Ah, parce que quand même, je connais un minimum le jeu de 2-3 trucs, il y a des trucs que j'ai vus dans le jeu que j'ai pas encore vu là tout de suite, quoi. Holy shit, that was him. He signed me on. T'es contente qu'il t'ait appelé? Oh oui. Thanks. I have to go. Like right now. I'll talk to you later. En plus il pleut. Non arrête, s'il pleut, j'y vais pas là. Trois cadavres, on est trop en votre coïncidence. Vous l'avez vu là, l'écran qui vient de me faire une dinguerie là. Bon, on va prendre les clés. Mais en fait j'ai peur que dans la maison même il y ait une dinguerie en fait là. La morgue doit pas être le seul endroit où il doit y avoir des dingueries quoi. Des clés. Où est-ce qu'on met des clés? Clé de l'appartement, de la voiture et de la porte d'entrée. Ok. Ah par contre. Alors tu sais pas si t'es embauché, mais t'as les clés de la morgue quand même. Oh vas-y quoi. Les objets temporaires n'occupent pas de place dans votre inventaire. Utilisez vos objets temporaires en intéressant. Attends quoi? Ah ok. Il y avait un livre à côté. L'embaumement. Un livre sur ça. D'accord. Bon écoutez, il y a un peu de boulot à la maison quoi. Moi j'ai un peu peur d'aller jusqu'à la porte là, en fait là tout de suite. Même pas en vrai. Pourquoi vous... En fait, vous m'avez fait la technique de la torture, vous voyez, ce genre de merde où on dit jamais ce qui se passe et genre on fait stresser avant alors qu'après il se passe rien. Vous voyez un petit peu le genre de dinguerie que vous m'avez fait pendant une semaine là. J'aurais tellement dû le faire samedi dernier en fait, j'aurais dû avancer le stream d'une semaine. Ah et en plus il pleut. C'est génial ça en vrai. Hein. Qu'est-ce qui peut mal se passer dans une morgue où il pleut quoi. Après, si vous êtes de mort de vieillesse, sachez que votre jeu il est vachement lent de base aussi, hein, pas se mentir. Ouais, hein. Je suis déjà fatigué. J'ai déjà mal à la tête de réfléchir autant. Toutes les portes sont fermées, les cafés ont été remis. Ah bah bon, c'est parti. Hein. Pourquoi t'as stressé? Aucune porte s'est ouverte. Oh, nique ça, le téléphone. Oui? Mr. Delver. I need help. Someone's outside the mortuary. Quoi? Try to stay calm. I know you're scared. I'll unlock the door in a moment. What? This is very sudden, but listen to me. We have to start right away. Quoi? I'm sorry. I didn't know until it made itself known this morning that it was here, let alone bound to you. I had no way of knowing the possession. La possession? Look, this isn't funny. Stop. Pourquoi c'est dingue là? You can't leave, Rebecca. I can't allow that for you or for others. It's far too dangerous. What am I supposed to do then? Most bodies I work with at night are fine, so we stay calm. Okay? We embalm, file the paperwork, everything. Treat it like a normal day. Staying focused will help. I left some things for you on the desk. I'll call again when you get to the embalming room. No, wait. Oh, damn it. What the fuck? This is insane. Bon. En fait, ta broutille m'a enfermé, quoi. D'accord. Ouais, t'inquiète, t'as le bizutage, ouais. Magnétophone, vieille clé, clé de couloir. Bon, déjà, il me parlait de possession, donc déjà, bon, on va voir... En fait, on n'est pas Rebecca, on est John Constantine, en fait. Comment elle s'appelle dans la nouvelle série Netflix? C'est Joanna? Joanna Constantine, c'est ça? Voilà, c'est Joanna Constantine. C'est quoi, Minitel, que j'ai pris? Ne peut être lâché. La clé du coin de la salle d'embaumement. Pourquoi j'ai cette clé, en fait, là? Oh non, mais s'il vous plaît, me dites pas qu'on peut crever. Parce qu'en fait, vous m'avez juste dit qu'il n'y a pas besoin de sauvegarde. Donc, effectivement, on peut quand même crever. Faut qu'on la joue safe, là. Faut qu'on fasse des trucs pour pas se faire tuer. Merde, j'ai cliqué, c'est devenu rouge. On va espérer que...
C'est fermé? Abruti. J'allais dire, je vais me mettre contre le mur, regarder s'il y a un truc au fond, mais... Il y a ça de l'autre côté, quoi. Niquez-vous. Hein. Vous avez quand même des idées de merde un peu. Le téléphone. Oui. I'm sorry, but this entire thing is extremely unprofessional. If this is how you treat new hires, I don't think I can work for you. Non, c'est pas drôle. Attendez, est-ce que le jeu entier se repose sur 3 cadavres à faire là? Donc techniquement dans le jeu on fait 4 cadavres et on a fini le jeu? C'est ça votre jeu? Ok, bon ouais, ok, je vois un petit peu le... Ok. Des noms démoniaques. Si tout peut être manipulé, la cassette peut l'être aussi, ceci dit. Mais j'ai pas écouté le début, donc je vais la remettre. Mais par contre, premier degré... Ah, c'est son truc de... Ok. Merde. Wow. Typhon marcha parmi ses disciples et prit la parole. Celui qui n'accepte pas avec sincérité le Seigneur dans son cœur sera jugé pour ses péchés et réduit à servir les véritables croyants véritables. À savoir les véritables croyants véritables, car tous sont assignés au domaine de l'enfer. Abandonnez Dieu comme il vous a abandonné. Acceptez Lucifer dans vos cœurs et repaissez-vous de son glorieux péché, car tous les hommes sont damnés. Nul espoir ne découle de Dieu, tous sont destinés aux maisons de l'enfer et condamnés sans chance d'en rééchapper. Vous avez été abandonnés. Et alors qu'il passait près de lui, Onéran leva un regard rempli de dégoût vers Typhon et dit « Je ne me détournerai pas de Dieu. Satan n'a aucune emprise sur la création du Seigneur. » Typhon posa ses yeux sur Onéran et lui répondit « Prie autant que tu voudras, tombe à genoux et implore Dieu séant. Peut-être qu'aujourd'hui, il daignera descendre des cieux et que sans doute tout sera dissipé. » Dis prit le néant et contempla... prit le néant et contemple la vérité. De la création de ton Dieu, je ramasserai les cendres de l'homme, car elle est condamnée à brûler éternellement dans les flammes du péché. Putain, c'est long. Ok. En gros, 300 pour toi. C'est dans le nom, ouais. Ouais, mais en fait, moi, je pensais qu'il y avait plus de cadavres. Il n'y en a que 3, en fait, quoi. Après, là, si je veux, je prends un cadavre au pif, je le fous brûler, fin du jeu, et puis... Voilà, on n'en parle plus. Hein. Livre de Typhon, conversion 11. Typhon tenait au creux de sa main les restes calcinés de Dérode. Là, c'est des noms qu'il faut que je retienne, là. Dérode, Typhon, Lucifer et... Typhon, Onéran, Lucifer. Et d'Hérode, du coup. Faut que je les retienne, c'est des fameux noms de je sais pas quoi, de sa liste, là. Il marche parmi ses disciples en dispersant ses cendres sur leur chair. Embrassant les rousseaux dans sa main, il s'adressa à Onéran. Vois à présent que tous sont marqués par la gloire de Satan. Onéran aperçut un éclair de lumière sur la peau de chacun des disciples au passage du Typhon, laissant une marque gravée dans leur chair.
une marque parmi les trois des maisons de l'enfer, car nous sommes tous destinés à servir de son dessein suprême. Le typhon tendit les cendres de Dérode à Onéran en lui disant « Revêt la chair oubliée sur ta propre chair, embrase son péché et accepte le véritable Dieu. » D'accord, mais elle est où ta carte d'identité, frérot? Ah ouais, d'accord, là, tu es très chelou. Trois objets. Le nom du démon. Ah oui, en gros je suis un connard quoi. Cloche du démon ? Fou dans la salle de bain, enculé, non ? Ok, vous allez me prendre pour un débile fini. Mais genre, j'ai absolument rien retenu de ce qu'il vient de dire. Mais genre, il utilise des mots que j'utilise jamais dans ma vie en fait, donc ouais. Par contre, une même que j'ai pas utilisé de cassette, c'est la 2. Je vais faire un test. Ok. Oh mais nique sa mère ! Fallait juste que je réécoute ! Attendez, mais la 2, j'ai déjà écouté du coup. Ah, voilà. C'est la 3 que j'ai pas écouté. On veut de résister. Donc en gros, faut que j'aille vite, et plus je vais pas vite, plus il y a le truc d'horreur, quoi. C'est de la merde, votre jeu, là. Je vais commencer à stresser de fou. Non, je suis mort, en fait, là. Ok. Oh. Eh bien, on est finito, hein. Comment ça fonctionne, ça? Et quoi, prendre la marque? Là, en gros... Non, mais nique sa mère, par contre, je me souviens tellement plus ce qu'il m'a dit. Ok, ça c'est ce que je dois foutre dans le truc. Ça c'est ce qu'il faut que j'ai avec moi. Et si ça se consume, c'est que le démon est à côté. Ah, on commence bien. Là le démon est pas loin quoi. D'accord.
Ah, c'est pas mal comme truc là. Attendez, je vais trouver un cheat code. Ça va être ça. Voilà. Et là, on va garder le son tout le long. Et ça fera un son de fond et on va pas stresser. Oh, il y a un autre bruit par contre là. Il faut que je trouve sa carte d'identité là aussi à cet abruti. Bon, c'est finito, mais. Mais attendez. Mais par contre. Mais attends, il t'a dit d'ouvrir la base de données des démons. Qu'est-ce qu'il a fait? Non mais sérieusement, blague à part là. Elle a dit... Il a dit prends... C'est dans le 1. Bon, il y a un démon à côté. Non, parce que tu fous sous de ma gueule là. Bon, au moins j'ai accès à tout. Ça prend feu là quand même là. C'est qu'il est pas loin quand ça prend feu, c'est ça? On se fout dans la merde là. Du coup, faut que je fasse quoi quand il est là? Faut que je gribouille, c'est ça? Try to use the phone during the start of the game. Compose le numéro? Il a coupé les lignes, cet abruti. D'accord, ok. Bon, je panique déjà parce que le truc il crame quand je m'approche de la fenêtre. Donc là, je panique déjà en fait. Mais voilà, tout va bien. Hein. Allô, je fais comme les streamers, vous voyez. Je mettrai le. Comment ça s'appelle? Battement cardiaque, vous le verrez à 200 actuellement. Ça se fermait. Moi, je suis genre full stress en fait. J'ai envie de crever actuellement là en fait. C'était bien quand il se passait rien dans le jeu. On peut faire le tuto? J'ai pas compris le jeu. J'ai envie de crever. Pourquoi j'ai accepté? Pourquoi sans première personne aussi? J'ai un nombre limité de ce truc comme ça ou pas? On va prendre d'autres. Ouais. Oh, tu fais chier, Rebecca! Je suis en train de stresser, hein, mais tout va bien. Ça crame par là. Bon, on va arrêter d'approcher par là. En fait, le seul accès que j'ai... Il l'a pas vu, c'est hilarant. Il y avait une merde. Oh putain, non. Niquez-vous. Je peux avoir un papier pour gribouiller? Mon stylo, il est où? Il est pas là. J'ai pas ma carte d'identité, j'ai pas le cri, j'ai rien. J'ai envie de crever. Allez, va à la fenêtre. Même pas en rêveur, tu. Quand je t'écoute, je meurs en général. On peut avoir la voix off du monsieur. Oh sa mère, ça brûle de fou. Je jure, ça brûle de fou partout, surtout! Où j'aille, ça brûle! Et si je brûle, c'est que je prends du démon, donc je suis possédé. Je suis quoi, rien compris à ce qu'il faut que je fasse là. C'est parce que c'est l'éloigné ça? Ça fonctionne pas son truc, hein. D'avoir personne. En fait, j'ai l'impression que je suis bien à côté du truc. Genre, ça me protège en fait. Ok, j'accepte ça comme théorie, mais j'ai envie de crever quoi. Voilà, même un cadavre, je vais pas réussir à le finir et je déconne même pas quoi. Bon, on a fait un cadavre, on peut faire un cadavre par stream si vous voulez, c'est bien. Puis le prochain stream, on le ferait dans 3 ans. Ça me manque au Outlast en fait. Oh putain de merde quoi. Pourquoi je vous écoute quand je vous donne le choix des jeux? Ah oui, parce que je suis trop con. Je m'en souviens. Étape 1 c'est quoi du coup? Ah oui, récupère. Ah oui. Ah bah oui du coup oui, bah c'est logique. Donc si tu prêtais un peu attention, tu ferais une crise cardiaque. Écoute. Je pense que je prête suffisamment attention au jeu pour faire une crise cardiaque avant même que le jeu y commence quoi.
Là, je suis safe. Moi, je pense qu'il y avait rien quand vous avez vu votre truc. Hein. En fait, j'ai peur que la porte, elle s'ouvre d'un coup aussi. J'ai tellement peur de tout, en fait, là, parce que... En fait, je sais pas, j'ai vraiment crevé à côté, mais... Oh, je suis vraiment nul à chier. J'ai même pas qu'on retenu tous ces trucs. Je sais pas pourquoi c'est censé cramer, ça crame plus que d'autres. Après, techniquement, je peux pas mourir dès le début s'il faut que j'aille là. Si, je peux mourir si j'y vais. Si je passe de deux côtés, la porte, le truc, elle crame. Et si je vais là? Ouais, mais pas confiance à la porte. Ah, bon, oh là là. Quoi qu'on fasse avec ce papier, ça brûle. J'ai envie de crever. Enfin non, j'ai pas envie de crever du coup, mais... Moi, j'aimerais bien qu'on restait au plan de base. Le plan de base, c'était carte d'identité, PC, liste de démons. Pourquoi elle ne fait pas ça? Rebecca, tu commences mal, là. Ceci dit... Bah, j'avais des dingueries dans le truc. T'attends à ce qu'il t'arrive chez toi, IRL, pour avoir peur comme ça. Ça m'étonnerait pas, ceci dit, mais... Après, en fait, ce qui m'inquiète un peu, c'est que vous avez vu un truc, et moi, j'ai rien vu. Donc, si vous avez vu un truc, c'est que là, déjà, il y a une potentielle truc qui peut me sauter sur la gueule, déjà, aussi. Bah, puis, en fait, le truc que j'ai pas envie... Tu veux, au pire, tu meurs, quoi. Ouais, mais au pire, recommencer aussi, quoi. On va mettre ce truc, hein. Bonjour ? Je le sens mal, votre idée. Hein. Vous savez pourquoi personne ne travaille dans des trucs comme ça ? Oh, ça s'éteint. Vous en prenez un, c'est ça ? Cathy, on commence par toi. Merde, attendez, il est où le brancard ? J'ai oublié le brancard. Mais être un fils de pute, c'est en option, c'est comment ? Il y a un bruit bizarre en plus, là, j'ai entendu. Pourquoi j'ai allumé votre jeu de mort ? Il est où le stylo, monsieur ? Raymond, il est où ton putain de stylo ? Si vous voulez accroupir, tu serais au bon endroit sur le bureau. Pas si con, ça, mais... Là, j'ai horriblement peur. Non, mais il y a des fois... M'enfermer ici me fout une peur bleue. Non, mais t'inquiète, j'ai peur avec toi, Rebecca. J'ai plus peur que... En fait, Rebecca, je pense que j'ai plus peur que toi, en fait, là, tout de suite, là. Mais ouais. Le kill, là, je suis une caisse, d'accord. Oh, il y a un bruit bizarre, oui, oui. Là, je vais prendre un screamer, c'est obligé. Ouais, prends pas le truc là. Non, je vous jure, pourquoi elle descend pas? Bah voilà. Fin du game, ça vous plaît comme ça? On fait cramer le cadavre et on est bon? Ça suffira tellement pas, j'ai tellement le mort. Pourquoi je peux rien faire là? Ah, utiliser le brancard. Je vais le laisser ouvert le truc, hein. Vous permettez, ça fera gagner plus de temps quand on reviendra sur le chemin du retour.
fait, c'est ça le problème de votre jeu, il me laisse pas vivre. Bon, première étape de fête. Merde, je suis obligé de le ranger pour lire. Je peux plus lire. Ah mais non, mais faut fouiller d'abord au début, faut fouiller le corps. C'est vrai, my bad. Nique bien ta mère, toi. Faut vraiment l'espoir. Faut le kick, il pense que si le mob il rentrait, il pourrait pas faire le tour du bureau pour le déglinguer. En fait, je sais pas. Regarde, dès que je bouge un peu, tu vois, ça crame. Dès que je suis à côté du truc de démoniaque, je sais pas quoi, y a rien. Donc je sais pas. Moi, je pars du principe que le truc me protège plus ou moins normalement, quoi. Bon, je vous le dis tout de suite, hein. Vu le degré de peur que j'ai, on va faire ce cadavre. Et après, on se casse sur Baldur. Vu l'heure aussi, mais vu le temps que j'aurai fini, ce sera 1h30 du matin, ce sera très bien. La fenêtre. Mais laisse peut-être putain de fenêtre, je la regarderai jamais. Je vais faire ça tout le long du jeu, vas-y. Comme ça, je ferai la moitié de l'écran caché. Bénéfice de peur, allez hop. Alors, tête, épaule droite, épaule gauche. Eh ben, faut commencer pareil, hein. Oh, mais ta mère, le truc qui est en train de cramer. Je touche pas au corps quand ça brûle, là, non? En fait, j'ai pas compris à quoi ça servait le truc qui crame, en fait. Mais on va dire que c'est le détecteur de trucs, quoi. Voilà. Allez, on peut déjà l'écrire déjà ça? Bah, merde. 1 sur 5. Bon, il y en a un moins que tout à l'heure, c'est déjà ça. Je suis en train. En fait, ouais. Je pense que quand j'aurai compris comment ils font les streamers pour faire le truc de l'arrêt cardiaque, je le mettrai sur le stream. Vous verrez que là, je suis à 200 battements minutes en fait, je pense. Hein. Mais tout va bien, hein. Fils de chien! C'est quoi votre jeu de merde aussi? Je peux poser des vraies questions, sa mère? Ouais, tu te barres? Mais comment on se barre? Parce qu'il a fermé la porte, connasse! Pardon. Mais ils sont putain de PC, on se gale enfin. Ouais, vous allez vous faire foutre. Non mais, je pense, un peu d'action. Ouais, allez vous faire enculer. Ouais, en fait le mob c'est elle quoi. Mais après y a pas que elle, je sais qu'il y en a d'autres des mobs, je sais juste pas où est-ce qu'ils sont quoi. Le seul que j'ai déjà vu c'est... comment il s'appelle? Enfin, parce qu'il a pas de nom, mais il apparaît là-dedans, là, dans ce meuble à la con. Et vu que le meuble est fermé, je suis safe. De toute façon, il apparaît en 2 speed, donc si je le vois pas... Il peut très bien faire partie des trucs que vous voyez que moi je vois jamais quoi. On va cliquer parce que s'il y a des rougeurs, hop. Il y a des rougeurs partout, dis donc. On est à 2 sur 5, on a fait la moitié. J'ai envie de mourir actuellement. Là ça se voit pas, hein, mais j'ai vraiment une envie de crever premier degré. Hein. I went afraid. Ah oui. Ah parce qu'il y en a qui se cassent là. Mais attendez, mais la porte elle est fermée. Ceux qui se cassent, vous avez pas compris que la porte était fermée, vous avez pas suivi l'histoire, j'ai l'impression. C'est pas très sérieux tout ça. Pour l'instant, elle écrit. Si elle écrit, c'est qu'elle peut gribouiller. Si elle gribouille, elle peut vous céder. Moi, c'est ce que j'ai retenu. Voilà. Imperfections. Pourquoi on note les imperfections? Je comprends pas premier degré pourquoi on les note quoi. Les portes sont fermées, il se passe rien. La fenêtre, on ne comptait pas sur moi pour la regarder une seule fois. Merde, on la voit. Ah, tu t'es fait griffer madame, j'ai l'impression. Et voilà, c'est fini? On a 5? Allez, nique sa mère. Le PC maintenant du coup madame. Attendez, premier degré, il a dit qu'elle était où la carte, parce que moi il me la faut la carte.
Tu bouges pas. Hein? La porte, elle va se refermer. Et quand je la rouvrirai, tu seras plus là. Non, vous allez pas me dire que tant que je bouge pas, derrière toi, peut-être d'air. Mais là, je me retourne pas, en fait. Là, je me retourne pas, en fait. Je peux pas bouger du tout, en fait. Madame, vous tirez un peu sur la corde, quand même. Là. Vous voudrez pas y aller? Genre, que la porte, elle se referme. Là, si je bouge, elle va me sauter dessus, elle va faire une dinguerie, elle va bouger. Je vais pas fermer la porte, là. Le PC, donc. Une voix off. Si elle bouge, je la verrai. Genre, mon bras, il tremble tellement mon cœur, il bat fort, quoi. Vraiment, c'est votre jeu, c'est le pire jeu que j'ai jamais vu, en fait. En fait, Outlast, c'est pas forcément le pire, c'est juste le plus connu, quoi. Après, c'est à chaque étape qu'il se passe un truc, quoi, s'il vous plaît, quoi. Le jeu, il me laisse pas respirer, quoi. Ah, là, elle devrait cramer vu qu'il y a une fille pendue devant moi qui n'était pas là il y a 5 secondes, quoi. Oh merde, c'est vrai qu'il faut que j'imprime le truc. Oh, ça merde, que j'aille le poser dans le bureau de Brun. Ça m'a imprimé. Ah, 3 entrées pour les 3 cadavres, ok. Merde, Melbourne, mauvaise touche. Ouais, ouais, tu dois archiver la copie à l'accueil. Ouais, ouais, je confirme. Je confirme que tu dois y aller, ouais. Si les papiers commencent à me faire peur, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Le truc, c'est que je sais que si je vais fermer la porte, elle va me faire un truc. Mais le truc, c'est que j'ai peur que si je ferme pas la porte, c'est encore pire, en fait. Et qu'elle reste là et qu'elle me fasse peur tout le long de l'autopsie, ou qu'importe comment on appelle ça. C'est quoi, ça? Oh, t'es niquez-vous, merde, là. C'est quoi? Bon, alors là, même pas en rêve, je bouge quand il y a cet effet de merde sur moi, là. Alors là, vous me connaissez mal, là, si vous croyez que je vais bouger. Alors là, tout de suite, là. Enlève cet effet de merde. Laisse-moi marcher correctement. Je vais péter mon crâne. On dirait les sales compagnies. On dirait qu'on est à côté d'un monstre. Donc là, moi, clairement, j'ai pas envie de bouger. Je vais me faire tout petit. Il me voit pas. Et si je le vois pas, il me voit pas. Et si le papier brûle pas, le papier brûle pas. Là, il y en a qui. L'effet bouge pas là? Je suis tellement dans la merde. Je peux pas bouger de là. Je peux pas bouger quand je suis accroupi. Pourquoi je peux pas bouger quand je suis accroupi? Ah si, je peux bouger. Je peux bouger de place, quoi. C'est quoi cet effet? Pourquoi je vois comme ça? Arrêtez vos mères là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le PC? Elle est pas ouverte la porte là quand même. Il y a toujours cet effet de brin là. J'aime pas trop l'idée de l'effet là. Je suis pas spécialement fan là. Salut Jean! Qu'est-ce qu'il a écrit Hugo là? Attends. Avance le centre. Écoutez, moi j'avance à mon rythme, hein, c'est ça les jeux d'horreur. Hein. Au pire, tu dead et t'as une bonne raison de changer de jeu. Mais le pire, c'est que si je meurs, vous n'avez pas me laisser changer de jeu, c'est ça le problème. Faut que j'arrive à faire au moins le premier cadavre, quoi. C'est quoi ce jeu? Faut faire quoi? Ah, bah faut mourir, j'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression que le but là, c'est de crever en fait, là, Jean. Hein.
Pas te mentir, hein, là tout de suite, je sais pas trop où faut aller. Hein. Enfin, si, je sais où faut aller, mais j'ai pas envie d'y aller, quoi. Ouais, ça crame directement derrière le bureau, ouais. Je suis toute contente sur les chapitres pour leur donner un jeu banger. N'est-ce pas? J'ai tellement pas confiance, ça se passe. C'est une dinguerie si je joue cette putain de porte. On perd la perception du temps. Force. Oui, bah écoutez, hein, dans un an, on y sera encore. Écoutez, c'est comme ça. Hein, il va falloir s'y faire. Elle va me sauter dessus, il va se passer une dinguerie. Oh bon alors là. Pouah. Ah ouais. Carrément. Pas une porte qui s'est ouverte là. Ok, non, j'ai cru. Ça doit être l'orage qu'il y a dehors. Oh sa mère. En fait, j'ai voulu ouvrir la porte, mais dès que j'ai commencé à ouvrir la porte, c'était la merde là. Je peux pas l'ouvrir. Non, Ratel, elle est fermée. Pourquoi elle est fermée? Non, arrêtez, vos grands morts, il y a un mec qui m'a enfermé. Mais attendez, j'ai une clé sur moi. Attendez, pour une degré, je peux pas y aller. Donc là, en fait, la solution, c'est d'aller vers elle obligatoirement. Non, le jeu se fout de ma gueule. Oh non, mais... Non, mais sinon personne ne va me répondre. Ah, quelle question? J'ai sauté une question? Attends, vous êtes 3 dans le chat, j'ai réussi à sauter une question. J'ai pris 30 ans dans la gueule depuis le début du jeu. J'ai eu un gosse et Mick en est le parrain. Ah, c'est même pas moi? Je suis un peu déçu en vrai. Je suis un peu déçu que ce soit pas moi là. Bon. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un en fait. Va vers le pendu. C'est la pendu, je crois que c'est une femme. On dirait que c'est moi en fait, mais on dirait que c'est Rebecca en fait là. Est-ce que j'ai le droit de fermer les yeux? Allez, on va fermer les yeux. Sa mère. Madame? Pourquoi vous êtes moi? C'est bien. Elle a bougé. Moi je considère que j'ai fait ma tâche. Voilà. C'est tout? Elle bouge pas plus que ça là? Le gosse en avait marre de t'attendre aussi. D'accord, tu n'étais pas là pour l'enfant depuis tout ce temps. Ok, ok. T'étais au mariage avec Hugo. T'étais pas au mariage avec Hugo, c'était triste. Ah ouais, écoutez, là les gars, si je meurs dans le truc, c'est clair que... La porte est ouverte là depuis que c'est bon. Oh sa mère. Mais arrêtez, j'y suis allé près du cadavre, il s'est rien passé. Je vais pas rester 10 ans dans le truc là. Pas rester 10 ans près de la meuf pendue là, en plus c'est moi la meuf pendue. Non mais bah t'es nos conneries 5 secondes. Je peux pas faire plus proche que ça madame. Ah, on peut pas non plus fermer la porte. C'est assez original ceci dit. T'as pas envie d'approcher directement de là? Moi je suis bien ici. Le qui a tellement rien fait qu'on a littéralement rien vu du jeu. Bah si, on a vu tout le début, on a vu qu'il fallait autopsier des corps, on a fait le tutoriel de comment autopsier des corps. C'est déjà pas mal. On a vu une ombre marcher au loin. On a vu des produits tomber. On a vu le patron nous enfermer. On a vu l'appart de Rebecca. Et on a vu ça. Moi je conseille. Et puis vous avez vu des trucs que moi j'ai pas vu. Non, en vrai vous êtes nul aussi que moi, vous avez vu plus de trucs que moi. Mais là elle avance pas, moi je me considère suffisamment prêt pour qu'il se passe un truc là. Là s'il se passe rien, il se passera jamais rien si j'avance, vous savez. Ouf, cette putain de porte, putain. Non, mais je vais pas coller le cadavre non plus. J'ai littéralement dû toucher son bras pour qu'elle fasse quelque chose. Arrêtez de vous foutre de ma gueule, le jeu est mal codé. Madame? Là, faut bouger, là. Je peux pas m'avancer non plus de près, quoi. Madame? Juste le prologue. Oh, ça suffisamment. Tu parles trop, faut avancer. Je vais aller voir un autre stream. J'ai le temps de regarder une soluce du jeu, tu as une phase de gameplay sur 4 ou 5. C'est largement suffisant pour un stream. Non mais là, madame, je veux pas avancer plus que ça, là. On arrête de se foutre de ma gueule, là. Faut littéralement que je vous touche pour que tu fasses un truc, là. On va m'arrêter. Attendez, quoi? J'ai cru qu'il y avait un truc quand je m'approchais de trop, mais je crois pas. Eh
Et vous savez, moi je trouve ça largement suffisant ce qu'on fait là en vrai. Hein. Mais pourquoi je suis pendu en fait là, c'est ça. Mais... En vrai, c'est vrai qu'il y a un démon qui m'a dit tu vas crever ici en fait, mais tout va bien quoi. Range ton bloc-notes, même pas en rêve. C'est pas le bloc-notes qui change les choses quand même là. Mais non, le bloc-notes change rien. Je vais me désabouer, j'ai pas vu la phrase qu'il avait écrit juste dessus. J'ai regardé Inox Tag alors que j'aime pas Inox Tag. Je me sens un peu mal là dans la Inox Tag, mais. Voilà. Sa mère. Bah voilà. Fin du jeu. Ça a plu à tout le monde. Voilà. C'est même pas elle qui m'a fait peur, c'est le papier qui a cramé quoi. Bon, il se passe quoi quand le papier crame déjà? Il y a un symbole à trouver? C'est celui-là. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Y'a rien, Raymond, tu te fous de ma gueule, Raymond. Raymond, t'es un fils de pute. Raymond, tu t'es foutu de ma gueule. Raymond, t'es un fils de pute, un petit peu. Y'a pas de symbole, y'a rien. Le truc il a cramé pourtant. La pile baisse pas, c'est bon. Bon, on en a un fini, truc comme ça. Ce qui est une bonne chose. On peut bouger les portes maintenant? En effet, il vaut mieux avoir le. En fait, le truc quoi. Ben voilà, on l'a enlevé. Tout s'est bien passé. C'est pas elle qui fait le plus peur, quoi. Vous, vous croyez que je vais aller dans la salle là-bas, là? D'accord, vous avez pas capté l'ambiance du jeu, quoi. Attendez, me dites pas que sa carte d'identité est dans le bureau d'à côté. Oh putain, sa carte d'identité est dans son sale bureau de merde là-bas. Putain de merde. A computer program combining all my findings into one reference point. The database contains all the information. Va dans la salle là-bas. Ouais, j'imagine, ouais. Rien que ça. Expliquer pourquoi sa carte elle est pas là-dedans, putain. Pardon. Oh le démon à la poubelle, c'est une bonne idée ça. On fout tous les. Pourquoi on les crame pas tous les cadavres en fait? Idée de fou mais. Moi, je mets un pied dans le couloir, il y a un bruit bizarre. Après, cependant, le papier ne crame pas. Donc, si le papier ne crame pas, le démon n'est pas à côté. J'ai le papier sur moi, là ouais. Bah non. Voilà, on va quand même au minimum prendre ça, déjà. Qu'on fasse pas l'aller-retour pour rien. On va le boycotter la prochaine fois. Ah, vous pouvez boycotter les jeux d'horreur. Moi, je prends les jeux d'horreur à boycott. Hein. Et en parlant des jeux boycott, vous avez vu Hogwarts Legacy? Ça a fait de l'argent et voilà, elle a donné de l'argent à une association, les gens n'aiment pas, et les gens râlent. Les gens râlent beaucoup. Les gens râlent énormément. Attendez. Non mais là il y a un truc qui vient de se passer qui. Non, il va se passer une dinguerie. J'ai pas bougé la souris, elle s'est regardée toute seule, il va se passer une dinguerie, je vous le dis. Oh, il se passe une énorme dinguerie.
Allez, on est reparti. Voilà, tout se passe bien. On peut pas faire ça, merde. Mais elle est où ta carte d'identité, abruti? Je vais le taper. C'est quoi ça? C'est pas tout ce que je cherche. Ok. Ah! Toi, tu crois qu'on va embaumer tranquille là? Ouais, d'accord. Ok, t'as pas compris encore le délire du jeu, quoi. D'accord, ok, ça marche. On peut rien prendre? C'est quoi ce jeu de brin là? Attendez, y'a un truc qui va pas là. Y'a un crayon, il est où le crayon? Faut qu'on prenne le crayon déjà. Ça se passe bien pour l'instant. Pas de soucis, on n'est pas possédé du tout. Tout va bien. Même le tableau de Michael Jackson te juge. Pourquoi tu viens de bloc-notes qui dégage la moitié de l'écran? Parce que tu te mets du stress supplémentaire en bloquant la vue. Non, 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 ça m'en enlève. Ah là, je vous assure que ça m'en... Je vous assure que ça m'en enlève du stress à voir la moitié de l'écran caché. Non, ce qui me choule un peu, c'est que... Normalement, je suis censé avoir un truc ici, mais je la vois pas. Bon, tant pis, on va faire 100. On peut faire 100. Pas besoin. C'était quoi la voix qu'on a entendu là? Non, parce que je l'ai pas, parce que j'ai une voix off derrière, que j'entends pas la voix du jeu, quoi. Y'a un mec, on dirait qu'il est en train de faire la fête à côté du truc, quoi. C'est quoi la première étape? Ah ouais, le fameux injecteur à aiguille. Oh putain, mais tout à côté de la fenêtre. Ah non, ça y est même pas. What? Attendez, par contre, on a un problème. Attendez, on a un autre problème autre que. Que votre lenteur là, vous avez que ça à la bouche, mais ils sont où les trucs là? Oh non, ils sont dans les armoires qu'il va falloir que j'ouvre. Oh brin, je vais avoir un truc qui sort du bloc-notes surtout. Non, il n'y a rien qui sort du bloc-notes normalement. Enfin, je pense pas, ça serait horrible. Voilà, là-dedans il y avait un monstre qui sortait à un moment donné, mais pas trop confiance en les ouvrant là. Faut que je les fouille tous en plus pour chercher. Ah mais non, c'est ça. Voilà, un injecteur à aiguille. Et il me faut les trucs qui va avec. C'est ça, non? Et là, faut faire la bouche de la madame. Vous voyez, tout va bien en mode coucou qui est là. En train d'alloquer, j'ai l'impression que mon cerveau fond. Cool en mode slim, et ensuite mes sinistres, mes oreilles, mes yeux et ma bouche. Bah, c'est l'impression que j'ai à chaque monstre qui apparaît, si tu veux mon avis. Par contre, désolé, hein, mais niveau modé, ils ont vraiment repris Dorothée et ils ont redonné le même truc. Hein. There we go. Vous voyez, on avance. Beaucoup de gens qui disent que je suis lent alors qu'on avance le bon moment. Hein. Il n'y a pas zéro cache coché. Hein. Insérer des couvre-œils. Ah, bon, là, sur les couvre-œils, je vais bien admettre qu'il peut-être avoir des problèmes. Quoi, mais. On va regarder ça, t'inquiète pas. Les couvre-œils. Ah non, on s'en fout, limite on n'a pas besoin d'en avoir. Mais je le veux pas! Il va falloir que je le drop. Surtout parce qu'il va prendre de la place. Ah non, c'est les pockets, c'est bon. Zéro logique surtout. D'avoir le calepin? Ah non, non, il n'y a pas de logique, non, avoir un calepin, non, je vous assure. C'est ça un cache-œil, non? Voilà. Tout va bien. 1h45, on avance. Oui, on avance à mon level, quoi. Après, je crois que des chapistes, je jouais celui qui a... En fait, le seul que je connais pas des chapistes avec la peur, c'est celui qui joue à Alien, dont j'ai plus le nom, là, qui est plus actif. Pourquoi ça devient jaune, là? Ah, ça gribouille de moins en moins, là.
D'accord. Tu es en train de me dire que je suis lent. Bah d'accord, si même le jeu me le dit, parce que voir que je bouge peut-être un petit peu le cul en fait. Ok, ok, j'admets, si même le jeu me le dit, faut que je me niquer ma mère. On est fermé. On est vraiment fermé, quoi. Wood, ouais, voilà. Lui, c'est lui, je sais pas, parce que je sais pas comment il avançait, parce que je sais que vous disiez pareil de lui. Donc bon, plus ou moins. Vous dites toujours, t'es dans les casiers, tout ça, en permanence. Donc je sais, c'est le seul que je connais pas. Après, je sais que les autres, en général, face à l'horreur, je pense que vous avancez assez facilement, quoi. Mélanger le fluide d'embaumement dans la pompe. Le glutaride, ouais, d'accord, ok. Le même truc que tout à l'heure, quoi. Et je suis toujours pas haussé, quoi, ceci dit. Un humectant. Voilà, pas de soucis. Alors attendez, ça fait 1. Ah merde, c'est pas ça qu'il faut. Oh, il y a des bouteilles random là. Oh, il y a des bouteilles de nique ta mère. Oui, c'est pourquoi. Mais non, c'est le petit le moins peureux des chapistes. Hein, moi, je suis le plus peureux des chapistes, ça je le reconnais. Hein. Moi, je te dis, je n'ai jamais vu les autres choses des jeux d'horreur. Hein, mais Oh, attendez, je crois que j'ai. Attendez. Je crois que j'ai compris un truc, mais de rire. Ah, peut-être pas. Si, peut-être. Ouais, on va pas prendre le risque. Je crois que ça y ressemble fortement en vrai, hein. Oh, ça s'est arrêté. Qu'est-ce que tu veux que je reconnaisse le symbole, quoi? Qu'est-ce que c'est censé être? Un M? C'est une espèce de M, quoi. Vous voyez, ça vaut le coup d'avoir... Bah, c'est... Ouais, non, c'est pas ça. Ça peut être ça. J'ai l'impression d'être dans Phasmophobia, mais version plus hardcore, quoi. Toujours dans les casiers, on va lui reprendre son titre de chapitre pour lui remonter le quota. Pour remonter le quota. On va... Attends, quoi? On va lui reprendre son titre de chapitre pour remonter le quota? Quel quota? Par contre, je comprends pas le symbole. On va dire que... On va laisser la... Sans, il va pas disparaître, de toute façon, le symbole. Enfin, j'espère pas. On va espérer qu'il bouge pas. Il manque deux produits bizarres, là. Ça, ce n'est pas. C'est du tama ma truc là. T'en as déjà? T'en as déjà, tu mets là-dedans, madame. Il n'y a pas de bois dans ce putain de truc. Pourquoi il y a eu du... Pourquoi il y a un bruit de truc alors que j'ai pas de bois? Il manque quoi? De glutathéracide? Ah, mais je sais plus où c'était. Enfin, je sais plus quelle bouteille c'était surtout. Bonjour. Après, ceci dit, c'est bien joué hein, d'avoir forcé à ouvrir les petites caissons de merde là. C'est bien joué, hein, mais c'est nique ta mère, quoi. Ouais, c'est sûr que, techniquement parlant, il est vrai que... Si j'avais le battement de cœur par minute, vous verriez que je suis en stress total. Oh, elle est là! C'est quoi le mot de passe, abruti? Prends ça. Prends, range. Pourquoi tu veux pas la prendre? Il a pas écrit le code, abruti, je suis obligé de la prendre. Il veut pas que je la prenne, j'ai le seum. Je la voulais depuis longtemps, ce truc-là. Mais là, je la trouve, je peux pas la prendre. J'ai le mort. Le jeu est full bugué. Oh, je dessine pareil. Ça va, je dessine pareil. Je peux rien faire. Je peux littéralement rien faire, là. Je suis full, c'est ça? Attendez, on va acheter des trucs par ici. Dans nos petites zones safe. Je suis tout seul, sub. Écoute, les autres sont morts de vieillesse. Ou alors, t'en as juste pas besoin. Et pourtant, il l'a dit. Ah, mais ah oui, mais c'est vrai qu'elle est dans le déni encore. Elle part dans... Non, mais... My bad, t'as raison. C'est vrai qu'elle a... pour l'instant, elle veut travailler. Elle veut travailler, elle est à moitié dans le déni. Premier degré de...
du démon. Elle veut pas forcément faire ce que lui il a dit pour l'instant. Non, dis ta mère, tu viens le faire, s'il te plaît. Par contre, mais de vrai, il est où mon truc là? Ok, là on a un autre problème par contre. On a un autre problème qui est, je ne trouve pas le produit en fait. Ça c'est du méthanol, non? Je l'avais déjà ça, non? Ah. Excusez-moi. Mais là, je sais pas où c'est ce qui me manque là. Et pitié, me dites pas que c'est dans la salle de bain, je vais commencer à péter mon propre crâne. Ah, c'est peut-être ça. C'est quoi ici? On peut rien prendre, hein. Non, c'est pas ça du coup. Bon, ça on va le lâcher. Ah, le système de d'items. Tu vois pas la moitié de l'écran. Non, mais je vois quand même là où sont les produits quand même. Je sais qu'il y a des produits là-bas, ça c'est pas. J'ai déjà pris. Ce produit là qui sert à rien, et ce produit là. Et après, il y a des trucs là-dedans, mais pas de produits. Il n'y a que les trucs. D'autres trucs quoi. Oh. Oh non. Ah, mais il y a ce duo. Je suis un connard. Voilà. GG à tous, j'ai trouvé la gluatéride. C'est bon, du coup, on a tout mis. Pourquoi je peux pas le fermer? Non, attendez, j'ai pas compris le jeu. Faut... Attendez, j'ai juste une question. Là, tu risques rien. Faut attendre une progression. Ouais, mais je vais progresser là. Le réactif, faut le mettre à chaque fois. Parce qu'il m'a dit le réactif, faut le mettre sur celui. Ah, pour... ah non, le réactif, c'est. Peut-être. Bon, attends, je vais le mettre. De toute façon, au pire du pire. On verra, ça change quelque chose. Si je le mets. Il me semble qu'il faut mettre sur le corps où on avait le plus de doutes. Ah non. Ok. Du coup, faut la lancer la machine là, non? Ah non, faut effectuer l'incision. Oh sa mère. Bon, par chance, j'ai une assez bonne. Une fois que j'ai trouvé le bon item, normalement, j'ai une sorte d'avoir une assez bonne mémoire en théorie sur. Qui est devant toi depuis une heure. Non mais, moi j'avais compris que le réactif, que justement, comme il était écrit à la main, qu'il fallait le mettre sur le corps en question où on avait le plus de doutes. Ah, ça c'est glauque. Hein. Ah merde, il me faut les pinces aussi. Bon, ouais, normalement, une fois que. Ah, c'est éteint le couloir? D'accord, ok. C'est un choix, ça fait des économies d'électricité. En plus, avec l'inflation, ça vaut une fortune là. Oh là là. Merde, je peux pas prendre ça. Non, juste ça. Voilà. On passe à clamper. On peut passer la place à clamper, s'il te plaît? Ah, il faut les tubes à côté. Ah, je pensais qu'on pouvait faire un par un. Merde, my bad. Est-ce qu'ils sont là-dedans? Non, ça c'est les trucs. Oui, moi j'étais pas une excellente mémoire non plus, ceci dit. Oh, il y a un truc écrit là? On peut le prendre, un truc écrit. Bon, allez, hop, 5 minutes. Raymond, il me faut vraiment la clé de la trappe dehors. On est à court de nettoyant et tu as dit qu'on en avait là-bas. Je sais que tu ne fais pas assez confiance à qui que ce soit pour y descendre, mais si on disposait d'un double de la clé, ça faciliterait la vie à tout le monde. Zoé. Zoé, elle avait déjà écrit un PS, et en vrai, là, le bloc-notes sert à cacher l'écran, c'est tout. Ne pas le lire à haute voix, sinon il y a un monstre qui est invoqué. Ça suffit, oui. Je peux rien faire. Okay. Ok, l'écran il se déforme. Tout va bien. L'écran se déforme, il se passe rien. On peut retourner. C'est parti, mesdames et messieurs. Carte d'accès, mon nouveau badge de travail. Bah, félicitations, on s'en fout. Rebecca, Raymond m'a demandé de me charger du réapprovisionnement des fournitures de la salle d'embaumement, mais il est si mystérieux que j'ai l'impression de recevoir chaque jour des instructions différentes. Désolé si tu n'as pas encore l'habitude. Zoé, PS, tu peux lui demander d'arrêter de m'appeler Zoé, personne ne m'appelle comme ça. Ah, ses oreilles! Excusez-moi, pardon, j'ai pas compté qu'il y avait le Y à la fin, je suis un connard. Ah, une clé. Pas certain de ce qu'elle ouvre encore. Je pense qu'on a envie de savoir ce qu'elle ouvre, mais ouais, c'est gentil. Alors là, vous voyez, là, faut aller se faire enculer. Genre, beaucoup. Vous voyez? Y'a quelqu'un? Non, je demande parce que moi, je cherche. Cherche un tube. Vous savez où il est? Ah, mais il doit être dans les tiroirs de merde. Oh, fait chier.
toute façon, si la porte je la ferme pas, il va. Il y a un truc dedans là, non? Oh, il y a un truc. Non, attendez, il y a un truc là. C'est moi qui rêve? C'est la poussière sur mon écran? Non, c'est pas de la poussière sur mon écran, il y a un truc qui bouge pas là. Là, je vais mettre mon bloc-notes juste à côté là. Voilà, juste là. Il touche le truc à peine. Il y a un truc sur mon écran là. À moins que ce soit l'interrupteur, mais. Tube. Ah. Toi, faut que je me rapproche de la tête de la madame, c'est ça? La salle de bain, je vais crever quand il faudra y aller. Hein. Je vous raconte même pas. Hein. Une salle de bain de brun, là. Et qu'il va falloir aller reposer le corps. Mais attendez, mais on est loin d'avoir fini le premier cadavre, en fait, là. Après, le truc, c'est que si je vais en full confiance, comme je faisais sur Outlast à la fin, parce que j'ai... à la fin d'Outlast, j'ai pris la confiance sur les 10 dernières minutes, là, je sens que je vais me prendre un... Ça t'avance pas, ouais. Ouais, bah je l'ai. J'ai compris qu'il fallait que j'avance un petit peu, tu vois, mais... C'est pas que j'ai pas confiance en vous, tu vois, mais j'ai pas confiance en vous, quoi. Allez. Là, le démon, je l'ai niqué. Hein. Alors, my bad. Tout se passe bien. Oh, ça fait moins de bruit ici! Oh, c'est parfait pour mes oreilles. On dirait vraiment une machine à café. Hein. Et je pense que pour le bruitage, ils ont vraiment utilisé une vraie machine à café. Moi, ça me ferait chier de mourir sans avoir fait le premier corps en vrai. Ne vous inquiétez pas, elle fait un bruit différent quand elle a fini. Hein. De toute façon, on voit à travers l'écran et le truc quand l'eau devient. Voilà. Voilà. Je crois que j'ai même pas envie de savoir ce qu'on retire quand il n'y a plus de sang, quoi. Mais désactiver la pompe, retirer le tube et fermer l'incision. Bien sûr. Après, le papier crame plus, ça fait plaisir. Je sais plus comment on fait. Ah, voilà. Remplir. Ah oui, là c'est le moment où je vais me faire foutre. Ah non, là ça va. C'est pas le moment où je vais me faire foutre. Enfin, ceci dit quasiment parce que je sais plus où c'est. Vu que les poches sont plus là. C'est pas une poche, hein. Ah non, c'est le méthanol. Parce qu'ils ont changé de place, ces abrutis. Faut que je le drop. Attendez. Il y a mon truc qui est drop, là. Ça serait hyper facile de niquer le jeu. Tu prends tout en trois fois. Tu drops tout ici, par terre. Et à chaque fois, tu fais juste ça. Oh, l'intellect. Oh là là. Excusez-moi, c'est une strat que je prévois là quand je me dis qu'il faut que j'arrête d'ouvrir ces putains de portes à chaque fois. Mais là, pour l'instant, le problème, c'est qu'il faut que je drop parce qu'il n'y a plus de place, quoi. Alors. Est-ce qu'il y a une étiquette quelque part? Parce qu'il y avait écrit tube. Oui, il n'y a pas écrit tube. Ça, c'est pas le truc de... pour linger. Ouais, c'est la lingette, c'est ça, à la fin. Pas ce qu'il nous faut. Ah bah c'est mal de la paprika. C'est quoi qu'il nous faut déjà? Voilà, c'est le... Ah mais il nous faut un trocarte aussi. Ah, mais c'est ça un trocarte, non? Non, mais c'est ça que je veux, moi. Ok, on a le trocarte déjà. Et ce qu'il nous faut, c'est quoi? C'est une poche à infusion? Non, ça je veux toujours pas de ça. Ça c'est non. Ça c'est le cache-œil. De quoi sert le gribouillis de santé mentale, en gros? Bah c'est Raymond, il m'a dit gribouille, gribouille, cherche pas à comprendre, gribouille. Bah je pense que c'est plus ou moins censé être ma santé mentale, enfin... En fait, avant il gribouillait un peu plus, là il y a une espèce de cercle qui commence à se former. Je pense que plus je dessine clairement, plus le démon a pris possession de moi, je pense que ça fonctionne comme ça. Ça m'a l'air logique, peut-être que je me plante. Par contre je trouve pas le truc là.
Oh. Alors là où le jeu pourrait me niquer, c'est que... Qu'est-ce qui va se passer quand je vais arriver, quand j'aurai fini mon truc là? Je suis pas sûr de savoir. Je me retourne là, c'est ça? On va pas regarder le cas là dans les yeux. Hop, voilà, hop. D'accord, juste la voix du démon. D'accord, oui. D'accord, Hugo qui met la pression, ça marche. Écoute, pour l'instant il se passe rien. Après, ma suspicion c'est que vous n'avez pas fait le jeu en fait, dès que vous avez vu que des moments. Et que votre intérêt à voir, c'est que vous êtes, vous avez aussi peur que moi si jamais vous avancez. Si j'avançais... Je répondais à Jean. Ah oui, ok. Ok, ok. Le truc, c'est que si j'avançais comme tous les streamers, vous auriez aussi peur que moi, en fait. Ah, ce truc de la fluidité. Ah, mais du coup, le cadavre, si je vais lui planter un truc, il va m'en rendre dans les yeux, le cadavre, là. Madame, ça va faire un peu mal. Après, ça, les bruitages sont quand même dégueulasses, hein. Ceci dit. J'ai toujours pas compris ce à quoi servait ce genre de truc, quoi. There we go, hein. There we go again, hein. Oh shit, hein. Oh non, la pire face du monde. Enfin, quoique, les pires phases, en fait, c'est de quitter cette salle, en fait. Là, je suis trop hier, c'est pas ce genre de jeu. Si tu fais une règle où on peut pas t'en imposer, c'est toi qui es con. Après, je sais que ça vous fait plaisir un peu, jeu d'horreur. De toute façon, vous savez que j'avance lentement. Hein. Vous le savez très bien quand vous posez les jeux. Hein. Vous êtes très bien conscient que vous pourriez déposer, que c'est vous qui choisissez. Moi, je m'applique à faire le minimum de ce que je peux faire, c'est sûr, sur un jeu d'horreur, mais... La seule règle que j'impose, c'est le prix, l'espace et le... Et les araignées. Et peut-être un autre critère, si vous voulez que je joue... Si vous voulez que je joue à l'autre jeu là, de Damien. Ok, donc je peux contrôler la lumière, c'est déjà ça. Si vous voulez que je joue à l'autre jeu de Damien, peut-être poser une autre règle, parce que le jeu de Damien, je le sens un petit peu mal sur ma santé mentale là, en fait. C'est quoi qu'il faut que je fasse déjà? Déjà, faut que je fasse, faut qu'il y ait une place. Ok, c'est bon, il y a une place. La salle de bain de merde là. Ah, la porte est fermée. C'est bien, la porte est fermée. Il va falloir l'ouvrir, donc il va falloir s'approcher de la porte. Raymond, on t'a intérêt. Putain, Raymond, t'as intérêt à me faire une prime. Je t'en veux, Raymond. Je t'en veux tellement. Sa mère, elle est éteinte, la lumière. Non, bah, par contre, faut aller se faire foutre. Hein. Putain. Je sais même plus où est-ce qu'il est, l'intérieur de la salle de bain. Non, alors ça tu le gardes. Ah! Ah! J'ai compris ce que ça forme. Ça forme le symbole de Satan, là, le pentagone, non? Enfin, pas le pentagone, le pentagramme. À la fin, ça va former une étoile. Donc on est encore très très large pour l'instant, ça va. Le jeu est... nous offre une certaine marge. Après, c'est un dessin pour les trois cadavres. Je suis qu'au premier cadavre et je fais déjà le cercle. D'accord, ok, bon, peut-être un peu dans la merde, ceci dit. Je vous confirme qu'on est peut-être un petit peu dans une merde noire, quoi. Là, faut aller se faire enculer, par contre, là. Prochain stream, je me renseigne de... Elle, elle va jouer à me sauter à la gueule, c'est sûr. Prochain stream, je me renseigne comment ils font les battements de cœur. Et vous verrez à quel point mon cœur est en train de battre, là, tout de suite, là. Vous comprenez pourquoi j'avance pas? C'est bon, hein. Je regarde pas le miroir, parce qu'on nique ta mère le miroir. Nique ta mère tout le reste d'ailleurs. Voilà. Ok. Je pense que même si c'est une petite morgue, je pense qu'on peut se permettre de laisser tout allumer, hein. Oh, ça s'est rallumé là-bas.
Oh, le plaisir. Oh, oh, un peu de plaisir. Un peu de joie de vivre. Enfin. Attends, merde, faut que je l'ouvre déjà. Ouais. C'est un peu long, ça aussi. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Dès que c'est coché, c'est fait. Et les trucs hydratants, on a un truc à par terre, là. Ne vous inquiétez pas. Fils de chien. Espèce de chacal. Putain. Ok. Je pensais qu'il allait disparaître comme ça, dans un éclat de lumière. Il est encore là? Non, pas tant mieux. Pas demandé à ce qu'il soit là. J'ai envie de crever. Dès qu'on a coché la dernière encoche, et que je vois qu'il y a une sauvegarde, Baldur's Gate va m'appeler, je vous le dis très très fort. Parce que là, en fait, ça va me faire le même effet que Vermine. C'est-à-dire que je vais pas pouvoir me coucher après avoir fait ce jeu-là, c'est hors de question, sinon je fais des cauchemars. Hein. Ok. Vermine, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais Vermine, quand je l'ai vu, le film, j'ai dû dormir, lumière allumée, sinon je m'endormais pas en fait, c'est simple. Après Vermine, c'est un peu spécial parce que Vermine, en fait, il y a tout un principe de... On ferme la porte. Tout un principe dans Vermine de... Ça joue sur la lumière, les araignées, si elles sont dans la lumière, elles avancent pas. Donc si je dors dans le noir, oui, bah c'est sûr que là, je suis niqué, quoi. Ah merde, faut cliquer là. La dernière fois que j'ai fait ça, le visage s'est allumé. Hein. Nickel. Complète your first body. Le pentagramme est presque terminé, mais mon first body, il est fini, quoi. Et là, faut que j'aille là-bas. Ah ouais. Bah écoutez, j'aurais mis 2 heures à faire 2 cadavres. On est dans un ratio de 1 cadavre à l'heure. En vrai, c'est pas mal. En vrai, on a un peu moins parce qu'il y avait l'intro. Ça peut pas mal se passer en fait. Si ça peut mal se passer parce que le truc est en train de bugger, c'est en train de me faire stresser. Après il nous resterait 2 cadavres à faire, ça veut dire? Ouais, en gros un autre mois quoi. Ouais, vous allez me niquer en me demandant le mois d'après, c'est ça? D'accord, on va devoir finir un jeu, quoi. Pourquoi je me fais toujours douiller sur ce genre de jeu, putain? Et là, vous me dites, le truc cache la moitié de mon écran. Oui, c'est voulu. Là, c'est voulu, là, tout de suite, là. Là, je suis très content que ça cache la moitié de mon écran. Comme ça, si elle se réveille, elle se prendra mon calepin dans la gueule, tiens, voilà. Allez. Voilà, et là, on a fait un cadavre. Comment on sauvegarde, par contre, premier degré. En espérant que... Voilà, on a bien avancé le défi. Après, ceci dit, je vais quand même ramener le cadavre, en vrai. Si jamais vous me le reposez comme jeu à la con, je vais en mettre un deuxième. Comme ça, si jamais, je vais pas faire le chemin quand je commence, quoi. Monsieur Richard, tiens. Ah ouais. Pas du tout devant, c'est une catastrophe. Ça vous laissera une dernière opportunité de me faire peur, tiens, sur leur tour. C'est fou comme je suis pas droit par contre. C'est fou comme le jeu n'a pas envie de me donner le contrôle du brancard. Ok, en fait je vais faire l'inverse quoi. Allez, une dernière opportunité pour le jeu de me faire peur. Je crois qu'il va pas la louper. Ce qui est bien, c'est que Rebecca, elle est sereine, quoi. Elle fait ça. Voilà, pour elle, c'est normal, quoi. Salopard de fils de... Donc en effet, on n'est pas forcément serein du côté du démoniste, quoi, en fait. D'accord, bon, bah j'ai rien à dire, on a fait le bureau.
Bureau n'est pas serein, quoi. Bon. Eh bien, écoutez, je pense qu'on est bien. On va fermer les portes au cas où, quand même. Et du coup, on va espérer que ça sauvegarde aussi, parce que si je m'arrête là en plein milieu, j'espère que ça va me sauvegarde là où j'en suis, quoi. Comme ça, la prochaine fois, on fera les deux autres cadavres. Donc là, du coup, il nous reste deux cadavres, quand même, blague à part. Donc, après, il faudrait que je fasse le choix entre les trois. Comme ça, c'est pour le mois de février. On est en février, pareil. Si pour le mois de février, vous choisissez ça, ben écoutez, ça veut dire qu'il faudra qu'on le finisse le je sais pas quand, enfin en mars, quoi. On finira le jeu en mars, technique. On peut le finir en deux fois. Hein. On peut le finir en deux fois, je pense. S'il y a juste trois cadavres à faire, en vrai, on peut le finir en deux fois. Hein. Là, je peux faire les deux autres. Après, le problème, c'est que... Ouais, non, ça va. On est pas... On a une certaine... Enfin, ouais, à un moment donné, je vais me faire défoncer. Ça, c'est encore autre chose, mais... Non, moi, ce qui m'inquiète un peu plus, déjà, c'est qu'on a une clé, et que la clé, elle sert à autre chose. Donc, déjà, de base... Oh, t'y a que des femmes, hein. C'était pas Monsieur Richards? Pourquoi j'ai relancé un truc, là? Regardez vos conneries. J'en lance pas un cadavre, hein. Je vais pas me... Bon, on va dire que c'est sauvegardé, écoutez, hein. Hop. Oh, votre jeu est horrible. Votre jeu est horrible. Après, je dis pas, hein, ça fonctionne très bien, hein. Mais, salut... Salut Kinemi89, salut. Votre jeu il fonctionne très bien, hein, je dis pas le contraire, mais en fait, j'espère que si je sors ça fonctionne pas en fait là. On va tester maintenant. Hein. On va tester maintenant. Entrée. Et ensuite je vais continuer. Service 1. Corps embaumé 1. Démon banni 0. Est-ce qu'on en bannit plusieurs? Service terminé, nombre de possessions. Qu'est-ce que c'est que ça? Corps brûlé, 0. Attendez, est-ce que c'est à la... Ah, mais à votre jeu... Votre jeu, c'est un jeu à la Lethal Company. Ok, non mais je l'ai, en fait, il y a plusieurs services. Enfin, on fait un service, si on trouve le bon corps, on fait un deuxième service, etc. Et tant que... Et si on se trompe de corps à un moment donné, on est niqué et on recommence du premier service, quoi. Techniquement, sans refaire le dictaticiel, en théorie, quoi, mais... Ok, non, j'avais pas compris votre jeu, comme ça fonctionnait. Ou alors ça n'a rien à voir. Ou alors on fait un service, il y a une fin, il faut qu'on fasse 6 services. Et à chaque fois c'est un nouveau service depuis le début. Ce qui pourrait aussi être le cas, mais c'est une catastrophe votre jeu. Enfin c'est une catastrophe. Ouais, du coup on va continuer juste pour voir s'il a bien sauvegardé là où j'en étais. Et puis après on va partir sur Baldur's Gate, hein, parce que c'est le jeu me manque. Puis je vais aller me chercher à boire de l'eau cette fois. Parce que là, on va pouvoir reprendre le micro, on va pouvoir faire 1-2-1-2 et dire adieu à notre période d'horaire pendant 2 semaines. Quasiment. Tout est parfait. Ouais, lui, il repop pas en plus. Écoutez, là, actuellement, je peux pas être plus heureux que ça. Ah, la lumière est éteinte, donc il fallait se faire enculer. Mais non, là, je peux pas être plus heureux que ça, actuellement, là. On a passé 2h14 sur un jeu d'horreur. Et j'ai stressé plus qu'il s'est passé d'horreur. Mais bon, j'ai quand même vu mes monstres. Hein. Moi, ça m'a fait... J'en ai vu deux. En fait, j'en ai vu trois, le troisième. Mais les... Ce qui me fume, c'est quand vous les voyez, que moi, je les vois pas. Moi, je suis content, en fait, quand vous me dites que vous voyez, peut-être que moi, j'ai pas vu. Hein. Je suis heureux. Cependant, il est bon de noter que, m'étant pas trop renseigné, finalement, sur le truc final, eh bien, la scène n'est pas la bonne. Enfin, cette scène-là ne suffira pas, quoi. Mais, en vrai de vrai, faudra que j'en fasse une, quoi. Mais, bon, voilà, écoutez, on se retrouve dans un mois là-dessus. Enfin, ça, un mois, ça dépend de celui qui sera le gagnant, mais je pense que, bon, vous n'allez pas forcément me lâcher avec ce jeu d'horreur. De toute façon, vous aimez bien les jeux d'horreur, hein, mais à un moment donné, vous trouverez un autre truc à me faire encore plus con qu'un jeu d'horreur qui fera pas forcément peur, mais qui sera chiant à faire. À ce cas-là, je ferai peut-être que je regretterai les jeux d'horreur, hein, mais... bon, après chacun. De toute façon, vous le savez très bien que c'est comme Outlast, comme Resident Evil, comme. Qu'est-ce que j'ai fait comme jeu d'horreur à part Resident Evil? Bah, Alien! Alien! Remarque, Alien, j'avance assez vite, ceci dit. Alien, je peux pas trop ouvrir ma gueule parce qu'Alien, j'avance assez vite. D'ailleurs, la prochaine fête est quand? C'est quand la prochaine fois qu'on va jouer à Alien? Alien, on est en février, y a rien en février, la Chandeleur est passée, ça compte pas. Mars, y a le carnaval, le mardi gras, c'est en mars, non, mais bon, je sais pas si on va vraiment le coup. Si, en mars, c'est le déguisement. C'est quand le mardi gras? On va juste regarder ça, puis après, on va faire la pause. Mardi gras 2024. Le 13. C'est en février? Ah merde!
Bon, c'est passé. My bad, je me suis pas renseigné, d'accord? C'était il y a une semaine. Bah écoutez, la prochaine fête, ça sera le 1er avril. Après le 1er avril, j'ai prévu un autre truc. Enfin, je travaille sur un truc pour le 1er avril. Mais... Bref, on va faire Outlast en speedrun. Et non, c'était un poisson d'avril. Bref, petite pause, on se retrouve sur Baldur, j'ai besoin de souffler un peu là.